problème, c'est que tu vas toujours trop retour parce que le micro il est jamais là. Ah merde. Ouais, mais tu sais pas qu'il y a quelques jours de décalage. Ah, tant pis, c'est pas grave. Ah, bonsoir à tous, on espère que ça va bien. Oh, j'espère que cette introduction vous aura plu. Moi, je préfère la traduction. Que le reste de l'émission. On espère que ça va bien. Et c'était... Attends, la semaine, on n'a pas streamé, la semaine dernière. Non, effectivement. Donc, c'était il y a 2 semaines en compagnie de Brocoli et Meg. On espère que ça va bien depuis. Ah, et que ce soir, vu que demain, c'est férié, vous pourrez vous... Ah, merde, je me suis... Dans le cul. La fiste... le fiste de Manette. Ah, si vous vous tendez bien l'oreille, vous pouvez entendre le diable plaireau au fin fond des enfers devant son PC. Mais vas-y, non, je joue. Non, c'est toi qui joues. Mais pourquoi? C'est toi qui fais la démo. Ouais. Ah, c'est moi qui fais la démo. Est-ce que vous avez du son? Mais je me rappelle plus des touches, c'est Jean Archibald. C'est toi qui joue, ouais. Bah, moi non plus. Ah, c'est non, mais tu crois que c'est moi toutes les semaines, ça fait ça? Qu'est-ce oui. Comment on saute comme ça? Carré, ça permet de sauter. C'est toujours la même introduction, en fait. Salut Ryu. J'espère que tu vas bien. Ça permet de cibler Assaut Eclipse. Il faudra reprendre la quête, hein, là où on s'était arrêté. Alors, il me semblait qu'il y avait un truc pas logique. Avec les quêtes, hein. Non, pas ça. Non, d'accord. Alors, attends, j'essaie de me ré... Pas de logique. J'essaie de réfléchir à comment on passe en mode défensif, déjà. Bonsoir, Ryu. Ryu Link. Ah, bonsoir, Nebel. Ils ont fui le gros cochon. J'arrive. Bonsoir, Rayman. Ah, de meilleur, oui, il se consomme des PM. Alors, mais hier, vous étiez pas là? Vous avez pas vu? Qui a dit ça? Non, c'est moi qui dis ça. On était sur le live des 1000 followers de Koum, oui. Vous étiez pas là. Ah, le cochon! Je ne sais plus comment passer en mode défensif. Vous avez raté, moi, enfin, mais c'est moi d'abord. You et moi, foutre une raclée à toute la team cooldown sur Speedrunner. Attendez, les gars. Mais elles sont où, les filles? Elles sont plus là. Ah ouais. Mike, il est pas revenu pour les filles. Il y avait un gros monstre qui rapporte de la thune si tu les chasses. Oui, alors là, on joue à la première démo de FF15. Bah, alors, parce que je ne me rappelle plus du tout des touches. On avait fait la deuxième et elle a duré 20 minutes, donc du coup, on était un peu déçus. Mais tu vois, là, c'est là où je trouve que c'est pas terrible. En tout cas, sur le gameplay de cette première démo, c'est que c'est pas instinctif du tout. Ah non. C'est là où c'est vraiment problématique, je trouve. Ah pourquoi? Ah non, oui, attends, oui, parce que ça c'était le point. Attends. Oui, c'était le point. Le point. Mais je suis venu à la faille, je suis déçu. Je suis Mace et voici Mace et Mace. Oh, le coquinou. Attends, par contre, je crois qu'il y a un problème de cadre. Nous allons recadrer pour que tu puisses mieux apparaître dans le cadre. Oh, mais je n'ai pas terrible. Voilà. Je termine la quête. Donc, la quéquette. Ouais. Attends. Moi, je ne me rappelle plus des touches. Hein. Moi non plus. Au parce qu'il y a le mode défensif, quand même. Il y avait un truc totalement illogique. Il est où le chocobo? On la mange. Ah voilà, tu enchaînes les coups, en bonsoir, fait. Bonsoir, je suis Maze. Bonsoir, Maze. Ça va, Maze? Dans le village. Parce qu'il faut rester appuyé en ah fait oui, pour faire les combos. Ah oui, on était venu vers 22h, on était déjà parti. Et oui, nous étions partis à... Moi, je suis parti à 21h, personnellement. J'étais là de 20h moi, à 21h. Je suis parti peu longtemps après toi. Mais comment veux-tu que je puisse réintégrer les touches, en fait, mon ami? Attends, il doit y avoir un moyen. Option. Vas-y, il doit y avoir les commandes là-dedans. Tutoriel. Commande de base. Commande de base. Déplacer Noctis, recentrer la caméra, regarder... Il n'y a que Mace qui Mace. Couverture. Commande de combat. Alors, mode offensif, mode défensif avec L1, cibler avec R1, verrouiller la cible, assaut éclair. Mais c'est Mace, ils ont mis une raclée à coup. Compétence. Ah non, mais sérieux, ils étaient mais dominés. Ils les a dominés. Mais non, parce que ça fait quand même ça, je comprends pas. C'est très Peggy 12. D'accord. Peggy 12. Où est-ce que je dois aller là? Bah, je l'ai mis le cherche, non mais recherche derrière, il était derrière le point jaune. Non, jaune. Il est où le point jaune? Là. Ah, il est là. Je te l'ai mis là-bas. Donc là, je rappelle que tu dois vaincre un behemoth pour avoir assez d'argent pour réparer ta voiture. Le gros behemoth, oui. Oh, regarde, il y a un dinosaure. Il y a un diplodocus. Oh. Oh, allons voir le dinosaure. Oh, regarde. C'est les empreintes du T-Rex. Oui. C'est Jurassic Park 15. Ah, ça sent d'énormes empreintes, sans doute laissées par le behemoth, semble se diriger vers la forêt.
Oh non! C'est par là d'après la carte. Le Behemoth. Choisissez objectif pour pister le Behemoth. Menu principal. Option. Objectif. Quête. Trace du Behemoth. Oui, parce que t'en as loin, d'accord. T'as plusieurs traces. T'as plusieurs traces. Et je pense que ce n'est pas la première. Diplodocus, Diplodocus. Les soldats Magitech sont des androïdes produits en masse par Nitin. Ils font exploser leur générateur quand ils sont sur le point d'être vaincus. Les coquidous. Je tiens à préciser qu'il s'agit de traces de mains. Non, je ne sens pas des traces de mains. Bah oui, il n'avait pas de chaussures. Ils sont où? Ah, donc tu. Le mec au drapeau, c'est un champion. Comment on fait les compétences déjà? Comme ça. Après, avec client. C'est avec les flèches que tu peux choisir après laquelle tu veux. Oh non, sur c'est gauche et droite, je crois, pour changer après la compétence. Genre le mec, il fait des traces de mains, pas de pieds. Quoi? Touchez-moi, Pyrrhic! Oh parce qu'ils ont dit que c'était des traces de mains. J'ai pas fait gaffe. Attention, je bourrine comme un con! Écoute, le Behemoth marche sur ses mains, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je croyais qu'il explosait. Tu étais censé exploser. Tu es un menteur. Ah, je ne vois plus la tâche! Ce qui est bizarre. Le Tyrhypotanus Rex, genre le mec qui fait des traces de mains, pas des pieds. Oui, c'est un coquin. Gladius. Ouh, le coquino. Ouh, le coquino, regardez, un beau panneau. Alstus Rouge! Examiner. Oui, c'est là où je vais habiter. Lac d'Alstor. Ah, toi aussi! Moi, j'ai vu un petit mobilhome là-bas, ça a l'air fantastique. Diplodocus. Non, mais les traces, ça se voyait, c'était des traces de main, il y avait les pouces sur les côtés. Ouais, c'est ça. Oui, mais. Les singes. Ah! 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 Je fonce dans les fourrés! Regardez un singe. Regardez. Ah, tu peux pas passer à travers cela. Ah! Grand moment du jeu vidéo, toujours ce moment où. Tu essaies de foncer sur un mur et le personnage essaie quand même de courir. Ça, je comprends pas pourquoi ils font pas une animation où il n'arrive pas à passer, quoi. Ce côté où il court dans le vide comme oh, ça, regardez. C'est saut années 2000. Eh, viens voir, qu'est-ce que tu dis ça, Donoct? Prendre le Behemoth par la corne. Ah bon? Je vais les prendre par la queue. J'aimerais bien monter, s'il vous plaît. Il est où? Mon tiki. Mais il est où? Non, c'est pas ça. Bah oui, c'est pas ça, c'est ce qu'il me semblait. Non, essaye de monter à droite. Non, à droite, droite. Encore, s'il y avait les deux, faut la CS coupe pour couper les fourrés. Faut la CS éclate rock. Ah. Moi, je crois qu'il faut que tu ailles voir un autre. Là, faut la CS vol. Attends, remonte les objectifs. Ouais, faut que tu ailles voir d'autres points, je crois. Ah, bravo! Enfin, je crois. Ouais, t'as trois traces à examiner. Ah bah bravo, ah, c'est vraiment très intelligent comme exercice. Grand moment de roleplay. Oh non, il faut la CS escalade. Ça existe, ça? Oui, oui, ça existe. Escalade, ça existe? Oui. Je sais pas. C'est génération... Quatrième génération, il me semble. Quoique... Je crois que j'ai jamais joué. Ah non, il y avait ça dans Earth God et Soul Silver aussi, il me semble. Ah ouais? Ah, je oui. Comprends pas, il y a des traces de pattes, mais il y a une grosse queue qui traîne par terre aussi. Ah, mais ouais. Mec, je savais pas que tu traînais dans le coin. Elle est tellement grande qu'elle traîne par terre. Qu'elle est même dans FF. tu l'as même perdue dans FF. J'ai fait un tour dans le jeu, elle est toujours là-bas. Alors. Oh putain. Bon allez, on accélère. Comment on accélère? Je crois que tu veux courir, ouais. Carré. Oh, j'aime beaucoup ces vêtements, j'aimerais beaucoup m'habiller comme ça. Troisième génération déjà? En 3... Non, en 3G, il n'y avait pas escalade. Earth Gold et Silver, c'est la 4G aussi. 4G, ouais. N'hésitez pas à nous rendre sur le site de cooldown, effectivement. Il y a plein de tests et de trucs rigolos. Oui! Calmez-vous! Oh, regarde, il est si beau. Oh, il tourne sur lui-même. Ah oui, effectivement, ça va être long, là. Alors, des relents de chocobo. Trouver un chocobo sauvage. Non. Dans Emerald, il y est déjà, il me semble. Ah, 3... je sais pas. J'ai pas joué à Emerald. Donc effectivement, peut-être que c'est dans Emerald. Peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je suis perdu.
On n'a pas une chanson sur la forêt? La forêt. La, 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 la. Bon, écoute, là, comme ça, je vois pas. Oh, la forêt. La belle petite forêt. Où on va croiser des petits elfes et des petits nains. Oh, bonjour, je suis un petit nain, je suis un petit elfe. Oh, mais comment tu m'as rattrapé, je cours si vite. Dégage, dégage, dégage. La mange, ça, c'est limite. Ça. Oh, dégage. Imagine que tu marches vers la voiture. Elle me le dit pas. Oh, regarde, ils sont tous de noir vêtus, là. Ouais, bah ça, c'est très... comment il s'appelle, ce con Ah putain, le character designer, trop de mémoire. Jean-Pierre Foucault. Nomura. Nomura. Ah, Tetsuya Nomura. C'est ça. C'est très Nomura. Très... Bah, de toute façon, leur design, c'est très Nomura-esque. Non, ah, j'ai appuyé sur conduire, quel con. Les traces du Behemoth. Vite. Ah, tu, en fait... tu fais exprès de prendre des traces qui sont à l'opposé. Ah, l'opposé. Mais si tu me dis pas. Ah, voilà, voilà, voilà. Il est parfait. Il est partout. Mais t'es où, mais t'es pas là. T'es où, mais t'es pas là. Ce petit chemin qui semble émote me rappelle soudain ce beau jour de... De rote. Ou quelques gradins me prenaient la tête. Ah, oh, mais il est épuisé, regarde. Il met la main sur le front, puisqu'il dit, oh, il fait chaud ici. Hein. T'as vu ça? Pourtant, je suis dans le petit bois, il devrait faire un peu plus frais. Souci du détail. Oula. Oh là, oh là, calme-toi. Calmez-vous, les cailloux. Noctus. Ou Noctis, je ne sais plus comment tu t'appelles. Noctis. Accident hey. Bête, surpris par un de ses copains. Hey, Noctis d'utilisation. Une Noctis d'utilisation. Ah, d'accord. Oh là 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 là. Accident bête, surpris par l'un de ses copains qui lui recourt après. Le jeune Emmanuel le rempelait avec une hallebarde qu'il avait sur lui. Ah, le barde. Ah, le barde va nous jouer un morceau de musique. Regardez-le. C'est pour les jeunes filles. Ah, ça. C'est pour que ça plaise aux jeunes filles. Ça. Ce physique de jeune et faible. C'est ça. Mais le pire, c'est que c'est vrai. Ah, mais bien sûr. Toi, ça t'excite, je le sais bien. Mais tu sais, là, je me contrôle. C'est limite, hein. Ça va exploser. Ça va exploser. C'est donc ça que j'entends depuis tout à l'heure, c'est la pression. C'est comme la cocotte minute. Il va faire pouf. Oh, le tisse. Oh, Noctis, ta veste. Regarde ta veste. Il vole dans le vent. On peut pas le zoomer sur sa gueule, là. Non. Oh. Pourquoi t'appuies sur tous les boutons? On peut pas te zoomer, alors pourquoi... Ah, mais si, regarde, on va zoomer sur son visage. Oh, regarde-le. Calme-toi. Putain. Cet homme est fou. Alors, 460, ça fait beaucoup de mètres. Bichonnel, Marie, ça doit être ça. Oui. Oui. Noctis, Gladiolus. Moi, je m'en ferai jamais à Gladiolus, quand même. Hein. Non, ils ont des noms assez... Gladiolus, Inis. Même Prompto, quoi. Prompto. Ouais, mais Gladiolus, c'est quand même le plus beau. Hein. Et Inis, ouais. C'est pas très beau, leur nom. Hein. Oh là. C'est pas de nom vraiment de chez c'est nous. C'est l'heure de la bagarre. Moi, j'aurais préféré Jean-Eude. Jean-Marie. Voilà, Gontran. Je pense qu'ils auraient dû, quitte à faire une VF, ils auraient dû franciser les noms. Oh non, j'y ai cru. Oh, j'y ai cru, c'était très moche aussi. Mais il me viole. Il a fait attaque vol. Non mais c'est ça. En fait, le fait de cibler, ça me porte plutôt préjudice qu'autre chose, là. Je ne comprends pas. Mais je ne comprends pas ce que tu racontes. Promptologue, bah ouais, promptosite, bah ouais, c'est ça. Salut Angèle. Ah, Angèle Moon Brocoli, tout ça. Ah, coucou. Il est temps donc de partir. Non. Ah, le barde. Bonjour, si vous voulez prévenir de prochain stream, pensez à vous abonner. Pas, tu parles, tu es en train de taper ton pote. C'est... Mais je le sais. Salut Angèle. Prompto, si prompto l'autre. Tu t'appelles quoi? Et que j'ai pas été tapasté si tôt. Elle était tellement raciste quand j'ai repensé cette phrase. J'appelle Nathalie. Pourquoi tu t'appelles Nathalie? Et que t'as jamais de en face de citron. Oh mon dieu. Ah, mais que veux-tu? Nous sommes partis! Allez, c'est parti! Oh là là, l'ambiance dans ce jeu, là, par contre, est juste mortelle, je trouve. Vite!
Il faut qu'on me les fait de la musique. Oh, mais y a des cochons. Hors couche. Oh, mais c'est pas toi que je voulais, Jean Archibald. Oh non, il m'a tapé. Vite, je m'envole. Je m'envole, je m'envole, je m'envole. Et là, je vais ne toucher personne. C'est ça qui est très décevant. Tourbillon magique. Putain. Oh, ça faisait très berserk que ça. Hein. Oh, mais je suis mort. Oh, la le Jean fragile. Si vous payez, Max tombe à zéro, c'est le game over. Mais tu utilises la potion. J'ai dit le potion. Mais comment faire? Je sais pas. Mais comment? Non, essaye. Ah, objet. Po. Ah ben ça va, ils ont fait le paquet. Oh, hein, oh putain, en plus ça te ramène ou quoi? Ah ouais, tu m'étonnes. Bon après, je pense que c'est la démo aussi qui fait que ils ont pas trop abusé quoi. Ça enlève pas mal ça, hein. Et tu me diras, j'esquive beaucoup moins que la dernière fois. Ouh, dans les petits vents ventre. Oh, dans le petit gratté de ventre. Eh oui. Nous allons faire une opération. Infirmière UL. Au rapport. Ouvrez l'estomac. Ah, calme-toi. Ces pauvres animaux qui ont rien demandé, tu les frappes. Regarde, il y a un carnivore. Tu fais pareil quand tu te balades dans la forêt, tu croises un écureuil et tu lui défonces sa race. Exactement. J'aime ça. Le toucher vampirique. Non, pas le toucher, la lame vampirique. Le toucher est tellement vampirique. Il aspire quelque chose, mais on dira pas quoi. Là, c'est un peu le viol pour le pauvre petit touton. Hello, tonton. Mais, oh, mais cible. Imbécile. C'est ça, c'est... Tu m'as pris de court, mais il a pas Dieu. Il a pas Dieu. Si, comment fais-tu? Il a Jésus. Comment fais-tu pour te diriger là? Mais elle est où ma barre de vie là? C'est le peu de rouge qui me reste en fait? Non, ou... non justement c'est l'inverse. C'est le blanc. Ah bah ça va, je suis large. Je sais pas ce que tu fais. Si t'es large, tant mieux pour toi. Il me remplit pas un sanglier après avoir eu les boutons de magique et en secouant un bâton. C'est ça. De quoi? Il a foiré. Allez, c'est reparti, Broukiki. Rayon magique. Rayon magique. Ah, putain, décidément. Tonto. Oh, regarde, regarde. Regarde, j'ai chié par terre. Oh, oh mais oui. Regarde. Il avait un peu ses règles quand même. C'était mis un pot dans le cul. Le toucher. Il y en avait une vidéo sur internet. En fait, tu sais pas, mais c'est. Comment ça s'appelle? Mais oui, je sais très bien pourquoi j'ai pas ça sans. C'est merde. C'est How to Basic Origins en fait ce jeu. Bonsoir à Ju, salut à Ju, Yui qui chante in it. Eh oui! Bon, je crois qu'il y a quelqu'un là-haut qui ne nous vaut pas beaucoup de bien. Je crois qu'il cherche la merde. Oh, okay. Le lag. Il y a un panneau, attention, mais... Au cas où, n'entrez pas. No entry, il y a marqué. Hein. Tu crois que c'est le BMAT qui a mis ce panneau? Attention, BMAT. Attention, mais... Bon, j'ai pas envie qu'on m'emmerde. Oh là 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 là! C'est à cause du toucher rectal vampirique de la plaque de sang. Tout est lié, putain. Dormez si vous avez besoin de reprendre des forces. Dors! On t'a dit de dormir. Fais yolo. Non! Petite plume! Il fait quoi? Wouhou! Pour toi, tu rushes comme ça, moi. Moi je respecte rien. Moi je voudrais par contre. Respecte rien, personne, même pas moi-même. Regarde là. C'est le moment où tu fais. Oh, il a réussi. Vas-y, recoupe. Recoupe à l'attaque.
Eh, vas-y, je le prends dans un coin, lui, je le viole. Allez, attends, on va faire une petite lame vampirique, un petit toucher rectal vampirique. C'est bon. Eh bien, oui. Ça n'a servi à rien. C'est bien, tu as bien frappé le sol, je pense qu'il est mort, là. Mais on peut pas s'accrocher, normalement. Si, normalement. Non, maintenir Eclipse. Maintenir Croix. Ah, moi, je le regarde se battre. KFC à l'attaque. Et mode de beurre. Il y a des gens qui ont de l'humour. Pas toi, par exemple. Non, moi c'est bien connu. Oh, il t'a esquivé. Oh, le coquin. Putain, j'ai plus de PM. Tourbillon magique. Rayon magique. Tourbillon magique. Youhou. Oh, vas-y, prends ça dans les dents. Je te broche les dents. Il n'y avait pas de la FPS, Grand. Alors, voyons voir l'antre du behemoth de beurre. Ça y est, je la reprends. Ça va rester le behemoth de beurre. Je ne sais pas de qui nous vient cette blague. Oui. Non, forcément. Non, c'était Nemel. Du coup. Le mec, il s'est fait niquer. Regarde, c'est l'entrée. Appuyez sur moi pour activer la cinématique. Tu vois, il t'a combattre, mais nous, on va le faire. Et non, regarde, c'est moi qui l'encule en premier. Par la main. Non. Viens, viens. Allez, viens. Va s'amuser dans ce petit. Allez, viens, regarde. Je baisse mon pantalon. Allez, lâche-moi le cul. Et tu lâches mon cul. T'as vu, il était tout sale. Oh non. La boule magique, la femelle de Behemoth, c'est la bergamote. Oh putain. Putain. Gladiolus. Je savais pas qu'il y avait cette histoire entre Gladiolus et Noctis dans l'histoire. Oh, regarde-le. Oh. Stop. Je sais pas si vous avez remarqué. Il y a un truc derrière moi. Vous avez vu? Putain, on dirait ma mère quand elle est en colère. Tu t'imagines? Regarde son œil. Le behemoth. Chasse dans la forêt. Oh, il y a des flots très très sales. Poudi, 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 poudi. C'est quoi ça, poudi, poudi, poudi? Je sais plus, c'était une connerie, je crois, un truc japonais, non? Allez. Ouh. Allez dans les écoles. Moi, j'ai dit poudi, 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 poudi. Les garçons, parlez pas de votre passé. Ah non, je peux t'assure qu'on non, a jamais... Non, je chasse pas le behemoth. Ce truc à penser pas la même chose. Oh, regarde, il a des grandes dents. Oh, mère grand, que vous avez de grandes dents. Ah, c'est parce que j'ai bouffé la gueule, mon enfant. C'est le behemoth qui va lécher le cul de Gladiolus, tu vas voir. Ou l'inverse. Non, mais dis pas ça. Gladiolus, il se fait absorber par l'anus. C'est un suppôt, en fait. Gladiolus a pas animé là, whoop, il a absorbé. C'est dégueulasse. Vidéo de 10 heures avec Poudi Poudi en boucle. Tu vois, tu parais combien que j'avance et là on va se faire écraser par le. Mais le... non, c'est pas. C'est pas du tout prévisible. C'est pas Dark Souls non plus. Allez. So much suspense. Oh. Je suis déçu, Gladiolus, je m'attendais à ce que tu me fasses quelque chose. Avec ta grosse épée. Il lui manque un œil et une corne. C'est bien. Ils sont où, les méchants? Oh, ils sont là, ils sont cachés. Il y a de la brume, là. C'est pas grave. Je défonce quand même. Alors, où tu es? Regarde, il est tout seul, il est tout seul. Oui, tu vas le défoncer, cet arbre. Oui, cet arbre n'a aucune chance. Regardez les couchers. Voilà, voilà, voilà. Moi j'aimerais bien avoir un gun dans ce jeu là, ça doit être vachement cool. Allez, je vais défoncer l'arbre. Ah, prends ça. Il perd vraiment des PV. Il perd des PV, le salaud. Oh, 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 calme-toi, oh, Gladiolus. Tu t'es fait manger.
Ouais, il a pris cher, hein, franchement. Ah, oui, là. Mais même, il a pas compris. J'adore cette attaque. C'est quoi ce MVP? C'est un canard qui est mort. Ah, d'accord. Pour connaître ton programme. Notre programme. Attends, je vais faire un peu de toucher rectal vampirique pour récupérer un peu de points de vie, parce que là, c'est un peu la dèche du Bangladesh. En plus, tu en récupères beaucoup. Bah ouais, ça vaut le coup, hein. C'est pas mal du tout comme technique. Bah, je pense pas que dans le jeu final, tu récupères autant. Mais... Voilà, mais ils ont pas la même tête que d'habitude. Ah, ils sont bleus. Eux, ils sont genre... Ah, on est beaucoup plus démoniaque, hein. On n'est pas des petits toutous gentils comme les autres. Oui, en fait, on fait comme les autres, on bouge partout, mais on a juste plus de PV. C'est ça, exactement. Il faut planter le bâton, dit Nimel. C'est le plantis de bâton. Attends, par contre, il y a genre Archibald, il va pas bien. C'est le moment de le... Trop tard. T'inquiète, tes potes, ils font ça à ta place. Tu pourrais même poser la manette. Ils savent que je suis trop mauvais pour ça. Voilà. Pop, pop, pop. Ah, voilà, redonnez-moi des points de vie. C'est très agréable à suivre. De quoi? Les caméras qui montrent absolument rien. Je sais pas, mais ils sont tous en train de vomir, en fait. Ouais, bon, attends, on va essayer de recentrer la caméra, quand même, parce que c'est vrai que je joue un peu n'importe comment. Non, mais t'inquiète, la caméra... Même quand tu poses la manette, elle se barre en couille. Bon, bah, cet échec... Oh, mais décidément! Mire! Allez, vite, vite! Vite, parce que j'ai bientôt la fin de l'émission! Vite! Allez, on veut voir du Behemoth. Oui, je comprends. Je comprends votre inquiétude de ne pas voir le Behemoth royal. Très occupé. Mais ça, c'est... les gens ne peuvent pas comprendre. Le caméraman stagiaire, c'est tellement ça. Oui, bonjour, j'aimerais bien voir un petit poste. Bon, on a un truc pour une démo, si ça t'intéresse. Ouais. Ah, c'est si viril comme jeu. La nuit tombe. C'est vrai? Oui. Ah, ça change quelque chose? Ah, regarde, il fait nuit. Regarde, il y a une petite lampe de torche, c'est trop mignon. Oh, eh, j'aimerais bien avoir un badge comme ça, moi. Un quoi? Un badge. Comment ça, un badge? Bah, regarde, c'est fait un badge. Bah, c'est juste une lampe, quoi. Oui, mais attends, c'est pas une petite lampe comme une autre. Regarde. On dirait comme si c'était un petit hippie. En gros, ouais. Comme si c'était un petit badge, ouais. Qui fait de la lumière. Un archi-badge. Un archi... D'accord. Un archi-badge. Un arbre, défonce-le. Oh! Allez, vas-y! Allez, Noctis! Putain! Tu t'es perdu! Regarde, j'ai trouvé le chemin! Petite plume! Ça sert à rien, mais j'ai une petite plume! Une petite plume! Petite plume! Redoublons de prudence! Oui! Redoublons de prudence! Iron Noctis, ah, j'avoue! Ah, regarde l'ambiance. Oh, regarde-le. Plus que 7 et tu peux affronter la ligue. Regarde-le. Le voilà. Non, suivons-le discrètement jusqu'à sa tanière. c'est juste à cause de Fukushima, ils ont les Bah, franchement, c'est bien en fait, Fukushima, finalement. C'est pratique. Alors, suivez le Behemoth. Est-ce que je peux genre me TP? Oh, putain. Est-ce que tu crois non. Que je peux me TP? Grand moment de suspense. Vas-tu réussir à suivre un Behemoth qui ne sait pas que tu es? Qu'est-ce qu'il fait? Il est fou. C'est un fou. Oh, oh, non, 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 oh, calme-toi, là. Moi, je lui ai juste demandé de courir. Éloigne-toi, là, genre Archibald. Qu'est-ce quoi? Oh! Vite, mets ta couverture. Elle est où? Vous allez perdre le point de. Ah, faudra savoir, il faut pas que je me rapproche trop. Ah, ah oui, c'est compliqué. Ah, là, là, vous, quand on demande de compliqué, bah oui. Suivez le Behemoth, mais où est-il? Je suis perdu. Et qui on appelle quand on est perdu? Je sais pas. Regardez-le, là. Oh, j'ai une grosse queue, là. Oh, putain. Et je croyais qu'il avait un œil en moins, ce con.
C'est la carte, c'est la carte, c'est la. Alors là, je la saisis pas cette. Mais le truc de Dora. Oh là là, excusez-moi de ne pas regarder Dora tous les matins. Ah, moi je regarde tous les matins. Oui, bah ouais, 30 secondes, enculé, tu me dis de pas trop me rapprocher, en même temps de me rapprocher. Suivez-le jusqu'à sa dernière, comme ça on pourra défoncer ses gosses sans Michel Braconnier. N'oublie pas de lui couper la corne. Oui. Comme bâtard, les mecs ils vont tuer une pauvre bête sans, enfin, sans défense. Pas sans défense, mais qui a rien demandé à personne pour réparer une bagnole, quoi. Le capitalisme à son extrême. À son apogée. Il regarde pas Dora. Oh, le public de Pad Life est déçu. Et tu vois, là, comme par hasard, ce con il peut pas se téléporter, tu vois. Ah mais elle est où cette Amir en fait là? Parce qu'il tourne en rond ce con. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire aussi. Salut collègue. Bonjour Moss. YouTube. Salut Moss. Et bienvenue sur Pad Life. Bonjour Moïse. Parce que Moss nous a rejoint il n'y a pas très longtemps. Ah, ah putain bon. Oui. C'est un nouveau collègue. Ah. Oui, donc il ne connaît pas Pad Life. Il y a trop de gens ici. Oh, il y a trop de gens. On devrait virer la moitié à commencer oui. Par toi. Oh, c'est vrai. C'est la première moitié. Alors, vas-y. Ah, oh, dans le suspense. Oh. Oh, regarde-le. Ah. Putain, ça commence à être long comme séquence d'infiltration. Ah bon. Oh, on pensait que vous aimeriez bien. Vous aimeriez bien. Oui. C'est des japonais, ils parlent pas très bien français. C'est raciste. Mais déjà, l'anglais, c'est pas terrible. Ah. Ah. Arrêtez avec cette blague MDR, laquelle. Ah, Moïse. Bah oui, non, mais on ça arrête jamais. Mace, vous avez trouvé l'entre du bémote passé entre les rochers pour aller dans les ruines. C'est pas la première fois qu'on lui fait. Vous avez qu'à choisir nos pseudos, espèce d'imbécile. Oh, mais doute d'ordre. Oh, la violence. Vous verriez où est, mettez les filles à la place. Oh là 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 là. La jalousie. Moi je dis un Pad Life juste avec des filles, ça pourrait être rigolo. Juste avec les filles ouais. Juste avec Meg et Brocoli. Ouais, ça serait drôle. Ah, ça serait différent. Ah oui. Ah, ça serait différent. On leur laisse les clés pour une soirée, ça serait drôle. Prendre le B. Elles choisissent le jeu auquel elles veulent jouer. Et... Ah. Oui, arrête de m'éblouir là, joueur Archibald, s'il te plaît. Ah, mais je suis un vampire. Pour mon toucher rectal vampirique. Je vais briller dans la nuit. Ah, ils prennent trop de place et ils se multiplient trop vite, les mecs. Vous avez... Je suis en train de mourir. Vous commencez à partir d'ici en cas d'échec. Oh, ça veut dire... Ça s'appelle un checkpoint. Oh, on a inventé un truc, alors on vous explique. On a inventé un concept. Voilà, vas-y. Regarde-le, il est content. Il marche. Oh, je veux pas détenir la Behemoth. J'ai toujours rêvé de faire ça. Oh, 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 oh. Je crois qu'on peut faudra le garder ces trucs là. Oh regarde, ils sont là, là les to be free. Passe en mon Yue. Ah bah tant pis. Mais oui, Anjou, c'est trop chou. Jeune Jedi. C'est trop chou. Bonne idée, sur un Nintendo et My Little Pony. Oh là là, ça c'est extrêmement sexiste. Ah tu m'étonnes. Il va falloir que pourquoi tu. Pourquoi pas les Sims pendant qu'on est. Et Léa Passion. Léa Passion vétérinaire. Venez, je vous explique le plan. On a inventé un concept à Hollywood qui nous a appelé. Ah, ça, tu vois que c'est un vieux de la vieille. Qui nous a appelé tout à l'heure. La dinde. Suivez Inis pour qu'il vous explique son plan. Mais moi, ça me fait marrer quand ils ressortent des citations. Il y a des vieilles citations, oui. Je sens que c'est une vieille, celle-là. Ah oui, mais c'est quand on faisait encore les best-of. Forcément, les répliques étaient marquantes. Faire exploser le réservoir quand le B-mode se rapproche et immobile. You're okay. Moi, je veux bien, mais quand je fais exploser le réservoir. Regardez-le, je vais devoir effacer mon message et m'excuser. Pas savoir que Jane Moon avait juste dit les filles entre elles. Frappez le B-mode par surprise sur son flanc droit pour l'étourdir. Qui ça? Procto? Je vais devoir effacer mon message. Non, mais Oli, c'est pas une question de perversion, c'est juste qu'il sous-entend que je suis une fille en fait. C'est pas pervers. Non, plutôt la blague de merde, juste. Oh
Noct, fais attention. Regarde, oh, il fait dodo, mais il faut pas l'interrompre. Il a tel marchand de sable et bonne nounours qui passe. Attirer le behemoth en se téléportant et l'achever après explosion. Oula, ouais. Alors, on demande de tout faire en fait. Ouais, c'est ça. Bah, t'es un héros de jeu vidéo, mon gars. Youhou! Vite, cours! Cours pour ta vie, putain! Téléporte-toi, sinon il va te défoncer. Les mecs, ils se sont mis à chanter dans la forêt, donc. C'est que c'est important. Téléporte. Oh la bordel de merde! Tu l'as échappé, Ben. Hein. Oh, regarde, il a attaqué sur son flanc! Oh, mais non, le pauvre! Regarde, il finit en barbecue! Mais non, je n'approuve pas ce qui se passe! Mais le pauvre, il a rien fait! Hé hé hé! Mais t'as pas vu ce qu'il a fait après, le, le mec, il a commencé à tourner sur lui-même! À faire un truc chelou, quoi! C'était encore pire que le. Ah, j'en étais sûr! Tetris, c'est le jeu de meuf par excellence. En jouant, il faut ranger des trucs en même temps. Si, parce qu'il t'aime, mais non, il ne m'aime pas. Et de toute façon, même s'il m'aimait, c'est pas grave parce que c'est toi que j'ai bon colis. Les mecs, ils chantent dans la forêt, donc ça doit être rapport. C'est tellement ça! Il va se passer quelque chose, merde! C'est limite une règle en fait. Regarde ça. Sur le flanc droit pour profiter du fait qu'il ne voit pas sur le côté. Quand il y a de la musique, faut se méfier, mais alors quand il y a les cœurs, là t'es dans la merde. Tu sais pas ce qui se passe, mais tu sais que ça va être terrible. Oh! Oh là, il m'a mis une patate! Les cœurs là, c'est. Mais c'est tellement typique en plus de cette compositrice. Oh, vous l'avez gelé. C'est vrai, il y a que elle qui fait ça. Non! Oui! Regarde pour un chat dans les dents! Mais je n'approuve pas du tout ce qui se passe. Je suis quelqu'un de tout à fait pacifique. Prends ça dans les dents, espèce de behemoth de merde. Oh! Oh putain, elle m'en sort. C'est très la caméra. Oh, c'est... Ouais, à ce niveau-là, c'est quand même... Hashtag... Vite, j'arrive! Hashtag la caméra. Aidez. Vas-y, je te touche l'épaule, tu te sens mieux maintenant? Oui! Oui, les bons rechats, tiens, fais t'arrêter. Les cœurs. Ah, attends, il y a Gladiolus, il va pas bien. Tu es où, Gladiolus? Mais il est en train de. T'as l'impression qu'il est bourré, quoi. Merde, qu'est-ce que je fous là? Les gars, arrêtez vos conneries. Du coup, non seulement il est aveugle, mais en plus, il ne connaît pas sa droite de sa gauche. Mais non, mais c'est que c'est pas facile, vous croyez quoi? Oui, bravo! Bravo, le beau! Oh là 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 là! En fait, il a 1 milliard de points de vie le truc là. Oui, à peu près. Oh non! Le décès à la vanille. Vite, Gladiolus! Viens me sauver! Mais mec, je me sens pas bien. Ah mais putain, je vais prendre une potion. Comment je crois, on prend... Je crois que j'ai la grippe. Comment on prend la potion? Je vais rentrer chez moi finalement. Et en fait, non, ça va mieux. Parce que j'ai cassé quelque chose. Oh, je t'ai esquivé! Oh, t'y as cru, hein? Norto! Norto! Reviens! Pourquoi tu t'enfuis? Ne me laisse pas! Du coup, là. Bonjour, c'est Trélia. Oh merde, qu'est-ce que je fais? Oh, il va mine. Oh, il y a le vide, j'ai perdu vite, je voulais jamais. Mais tu vas le rater comme il est descendu! C'est un truc énorme, lourd, et il descend comme un ascenseur, comme ça, mais. Arrête, il faut vraiment que tu gardes ton oeil sur l'écran parce que tu, à chaque fois que tu tournes la tête, c'est les meilleurs moments. Bonsoir, allez, May. Je crois que c'est le moment de gloire. Mais ils sont où mes potes là? Je suis tout seul. Allez, copains, vous êtes. Putain, mais ils m'ont abandonné, les salauds. Hein. Regarde, je suis tout seul. En fait, je crois que tu dois t'en aller parce que. Ah, d'accord. En fait, il est trop fort pour vous pour l'instant, donc là, il faut s'enfuir. Ah, mais non, mais j'étais chaud. Vite, vite. Ah oui, je peux courir. Je regarderai le chat après. Enfuis-toi déjà. Allie-moi le chat alors. Bonsoir, Madame Mays. Bonsoir. Bonsoir, Meg. Salut, Meg. Et voilà, c'est intéressant. Ça aurait été dommage de rater ça. Allez.
Ouais, mais arrête de me harceler. La sacule, elle va rentrer. J'appelle ça du harcèlement. Mais arrête. Et les trois mecs, ils te regardent sans bouger. Oh. Alors, est-ce qu'il va s'en sortir? Depuis le temps qu'on rêvait de s'en débarrasser. Viens, venez, on fait juste semblant de s'en soucier. On t'avait appelé pourtant. Les cœurs. Souhaitez-vous regarder votre progression? Oui, je veux sauvegarder ma progression, docteur. Allez, compos dans le sanctuaire près d'ici, le Behemoth ne s'en approchera pas. Il a perdu le sanctuaire, les petits cailloux chez ses pères ennemis. Je vois les gros cailloux, ça ne dérange pas autour du sanctuaire avec les petits cailloux. Oh non, j'ai pas trop, j'ai un peu peur. Salut mec! J'ai un peu peur. Ouais, t'es bien, t'es bien. La Behemoth, ça fait un peu peur, le sanctuaire. Oui, Behemoth, ça fait un peu peur. C'est un beau Behemoth. Mon dieu. Ah, c'est ici, je crois. Non. Ah, c'est cher, Antoine Daniel. Ah. Ça va être dur de le vaincre. Ben, on l'a quand même bien amoché, je pense, hein, les copains. Les copains. Les copinous. Je crois qu'on a bien amoché le Behemoth. Ah. On dirait pas homosexuel, mais copain de Zizi. Et tu te réfères à South Park, là. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que tu disais les copains. Les copains de Zizi. Mais pourquoi ils sont pas homosexuels? C'est un épisode où il parlait du fait que... Tu sais, le fait de jouer sur les mots gay, homosexuel, tout ça. Est-ce qu'il fallait les appeler des PD, des gays, des homosexuels, etc. Des donc finalement, ils tranchent en disant on les appelle les copains de Zizi, quoi. D'accord. Mais ragoût, mais pourquoi il dit que tu fais du ragoût? Ah oh. Nocti. Ah, mais Gladiolus, là, il est. Ah putain, mais moi je suis bas level quand même, hein. Ah ouais, là tes potes, là, ils te oh. demandent. Ah oh. Mais Gladiolus, c'est surtout Gladiolus. Il a une puissance. On sait pas tout, mais j'ai faim, je vais manger une pomme. Bah, manger une pomme, c'était une belle journée pour mûrir. Ah, motivés, ils sont motivés, ils sont résistants, ils sont en pleine forme, ils sont bien. C'est bien, ils se prennent une raclée, ils sont motivés derrière. Oui, j'apprécie ce genre de coup. Ah, regarde-le. Ah, c'est lui qui. Ah, j'ai bien pris, hein. C'était lui qui tournait. Ah, je me sens vidé. Ah, je me sens soulagé. Vos compagnons ensuite partir en excursion. Bah, c'est une sorte de petite quête annexe avec un de tes compagnons, quoi. Donc oui ou non? Oui, vas-y. Allez, avec qui je pars? Bah, ton avis. En fait, c'est mon tour. L'autre, il a déjà pris, là, c'est pour moi, putain. Mais j'approuve pas. On va dans le buisson, là. Je l'approuve. Pratique en duo. Allez, ah, allez à la cabane pour de la station service. C'était ils sont sortis à 3 tout à l'heure. Et là, c'est la phrase qu'on dit, oh putain. Je disais que pas Zizi, c'était fait, pas loin de la vérité. Tu sais, moi, ils étaient 3 dans la tente, tu sais, parce que j'ai fait le gay toute la nuit. Oui, t'as fait le gay, oui, c'est le cas de la nuit. Oh là là, c'est d'un niveau. Je sème mon sperme merveilleux. Oh, il faut oser. 600 mètres. Être. Ah, regarde, je suis. Putain, mais c'est pas ça que je voulais faire, non! Mais tu fais. Bah, enfuis-toi au pire, on s'en fout. Allez, je m'enfuis. Les Gladiolus, il va s'en occuper. Une baffe et ils sont par terre. C'est le Obélix du jeu. Allez, on court! Je vais prendre la moto! Mais nous n'avons pas de moto! Moi, je me demande si on pourrait avoir des pistolets, quand même. Ça serait vachement cool. On va avoir des trucs à distance, en tout cas. Ouais. Oui. Très bien. Salut, Dana. Oh, Dana, ça fait longtemps. Ouais, j'espère que l'arme principale, ça sera l'espèce de petit marteau qu'on a vu dans la démo. Alors. Yo, Dana. Et oui, Dana, ça fait longtemps. Évitez de mettre des points d'exclamation juste après, parce que de loin, on dirait... Ah putain, mais Bratrap Gladiolus, rien de tel qu'un ventre plein pour vous endormir. Un ventre plein de quoi? Une 27 est obligatoire après un bon repas. Oh non, mais sérieux. Est-ce qu'on parle de nourriture?
Ah, mais sérieux, Gladiolus, t'exagères. Ah, tu m'as rempli le ventre, Gladiolus. Genre des problèmes de digestion, putain. Oh, ah d'accord, j'arrive, il wiggle déjà. Le marteau primaire. Pistolet. Ah, mais ça fait plaisir de te voir, Dana. Ça fait un petit moment que t'es pas resté longtemps sur l'émission. Oui. Il faut que ce soit un jour férié pour qu'elle... Eh oui. Et encore, elle est... connaître et notre... encore, elle est pas à l'heure. C'est pas grave, le plus important, c'est que tu sois là. Ça fait plaisir de te voir. Ça me fait plaisir. Ça fait longtemps que je passe en coup de vent toutes les semaines, mais c'est pas grave. Mais non, mais c'est bien ce que je disais. C'est bien ce que je disais, c'est que ça fait longtemps que tu n'es pas resté longtemps. Mais là, elle vient d'arriver. Attends. Mais tu passes effectivement. Ne lui mets pas la pression. Tu passes effectivement toutes les semaines pour le revenir contre les maux de ventre, le repos du guerrier. Ah, la petite cabane. Aïe aïe aïe. Hey, il est pressé, Gladiolus, ça. Putain, je vais exploser sinon. En plus, mais t'as vu en plus. Il a, allez, viens. Justement, il applaudit comme ça. Genre, il vient. Je suis pressé de voir le texte. Lisez le texte. Ah, il y a l'ambiance qui fait peur. Enchaînez-vous, effectuez des combos, commencez en attaquant un Garula. Ah, c'est moins drôle, ça, du coup. Ouais, là, j'avoue. Il est déçu. Assez déçu de cette quête. Choqué et déçu. Et moi, je sais, j'ai fait une quête avec, je crois que c'est le blond, là, tu sais, où c'était cueillir des champignons. Ah oui, d'accord. Et c'était pas une blague. La cabane au fond du jardin. J'y vais quand j'ai besoin. Ouais, mais en fait, là, j'ai pas beaucoup de temps. Désolé, trop de projets, trop de trucs. Ah, déjà, à ton âge, tu n'as plus de temps. Eh ben, dis donc, ah, pour... oui. D'accord, mais j'appuie. Il est chaud que je veux manger. Okay, donc du coup, c'est quoi ce jeu? C'est la démo de FF15. La première démo qui était sortie il y a au moins... Ah putain, j'avais l'année... pas fait attention. L'année dernière. Ah oui, c'est vrai, c'était les combos avec les potes. Vous pouvez utiliser une technique spéciale pour avoir enchaîné un combo, lancer choc croisé. Assez déçu. C'est un charmant petit trou. Tout en t'envoyant de pareil ou... Il est chaud que Gladius, il veut manger. Plus vous enchaînez de combos, plus le niveau de la technique augmente. Lancez choc croisé niveau 1. Niveau 2. Vous jouez bien, mais alors... Le problème du temps, c'est un non-problème. Est-ce que ça va être toujours carré? Tu vois, j'ai peur, moi, tu vois, je me dis, je me tâte. Ah, on n'a pas trouvé d'autres boutons sur la manette. Attends, là, oh là là, ça va pas du tout. Un petit toucher rectal vampirique. Ça, son épée, elle fait un peu penser à celle de... Ouais, non, pas tant que ça, finalement. De Cloud. Ouais, mais de loin. De près, beaucoup moins. C'est Alain de loin. Ah, c'est très la profondeur du gameplay, là. Mais c'est pour le combo! Oui. Allez, chatouille. Alors par contre, je sais plus comment c'est... Ah, quand tu restes appuyé, ça esquive tout seul, non? Esquiver carrément. T'as vu les tours, lui il fait 3000. Je veux bien, mais comment faire un choc croisé niveau 2 en fait? Le problème du temps, c'est un non-problème. Cloud, il a l'air il a clairement un complexe à cacher. Ah, le pauvre Cloud. Oui, mais il n'y a plus d'ennemis. Mais qu'est-ce que doit dire de Barrette avec sa main bionique? C'est bien, mais il n'y a plus d'ennemis, en fait. Je veux bien, mais... Ah si, il est là. Il est là. Il était parti. Il ouvre une petite blague. Non, oh, le salaud. Il est tombé comme une merde. Hit. Gladius ! Viens dans mon cercle jaune. Oui, ton cercle jaune. On va faire l'amour dans ton cercle jaune. Enfin, 3000 points. 3500 points il enlève. En un coup, Gladius. En un coup ? Bah quand il fait sa grosse attaque. Oh là 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 là, il est fort, Gladius ! Attends, maintenant, on passe aux choses sérieuses.
L'excursion a été un succès, allez-vous reposer dans un camp pour relater vos aventures à vos autres compagnons. Ah oui, elle avait bien défoncé Gladiolus. Oh là 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 là. Moi je m'attendais à un truc plus rigolo quand même. Ouais, j'avoue, un peu déçu. Choqué et déçu. Et Sephiroth avec sa longue épée alors. Ah. Allez. Peut-être remettre l'objectif du camp. Allez, il y a moyen qu'on y aille quand même. Non. Peut-être remettre l'objectif du camp. Enfin, le. Comme ça, tu vas sauvegarder au campement et puis on a. Relais de là. Chocobo. Non, c'était où le campement? Là, non. Non, va, non, là, t'es dans le quête. Va dans le campement. Je pense que tu peux aller dans n'importe lequel. Le plus proche. Ouais. Qui est déjà 21h53, mine de rien. C'est pour ça en que fait, je c'est dis... FF Passion, tuer des mammouths, c'est gentil des mammouths. Tu sauvegardes et comme ça, on lance la pause. Oui, d'accord. Ne rentre dans mon cercle jaune. Oh, oh, mais il y a une voiture. C'est rare. La voiture. On a joué dans les cerceaux enflammés. Cookie, si vous avez la référence. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai ouais. honte. Et j'aimerais bien sauter en fait. Je crois pas que je l'ai non plus. Alors, est-ce que le saut va faire... Ah non, ça va. Dépêche-toi! Cours pour ta vie! Cours pour ton cul! Cours pour ton cul! Repose-toi, sinon tu vas être épuisé! Et c'est là où il va te choper. Ta 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 ta. Le show royal! Bande d'inculturés. Oh, mais me tapez pas, j'ai rien fait, je suis gentil. Si, regarde, il esquive. C'est la contre-attaque en fait, ou. Regarde. Oh, quelle belle parade. Oh putain. Oh, ça ne rigole pas. Allez, Gladiolus, tu t'occupes de tout le monde. Moi, je m'occupe de faire le moonwalk. Je connaissais même pas cette chanson, choqué et déçu, bah écoute, apparemment non. Oh le chien! Ah, tu fais plus le malin, hein? Moi non plus! Oh là là, mais il bouge trop! Mais qui est en train de faire des confitures? Regarde ça! Tu crois qu'ils font des confitures dans FF ou pas? Noctis Jackson. J'adore ces techniques où tu... Oh mais regarde, il l'a tué. Allez, attends, on va juste regarder Gladiolus défoncer la gueule. Oh, ah merde, t'as des... What the fuck. T'as des renforts qui sont arrivés. C'est bien, c'est bien un petit combat comme ça pour finir le live... Enfin, pour finir le... Pour finir... Ah, puis il se révèle à toi. Hein. Il faisait quoi, lui? Putain, oh, il t'a mis un coup de pied, je t'aimerais pas plus. Il m'a appliqué des calmez-vous. La technique du calmez-vous. Tu veux goûter toi aussi à la puissance du calmez-vous? Calmez-vous! C'est Zandik, vous êtes bien sur Paris, je viens ce week-end. Bah c'est bien pour toi. Regarde-le avec son petit drapeau là. Pour finir sa vie. Regarde-le avec son petit drapeau là. Calme-toi, putain! Ah non, je l'ai loupé. Gladiolus, surtout ne bouge pas! Regarde-le, le genre Archibald! C'est dommage que ça bouge trop vite, j'aimerais bien pouvoir regarder un peu leur costume. Là, ça. Un mélange de Moyen-Âge et de futuriste, c'est assez intéressant. Le mec qui joue, regarde les graphismes. Pauvre merde. J'apprécie le design! Vous faites les handicaps, vous... Oh c'est les gardes. Mais je suis pas handicapé. C'est Jabba le forestier. Comment ça a pu arriver dans la traduction, ça? Allez, sauvegardons. Vous allez camper. Oui, sauf se dormir. Oui. Calmez-vous. Oh putain, c'est beau, lui ça. Lui aussi, il a pris encore.
Le groupe est de nouveau en chambre. Oh, le club des 5. J'avoue que même 4 mecs comme ça pendant tout un jeu entier, j'avoue quand même c'est un peu lourd, je trouve, qu'ils aient fait ça. Qu'ils aient pris ce parti pris là. Ah bah ça se trouve, il y a peut-être d'autres personnes qui vont rejoindre après. Bah ça serait une agréable surprise parce que franchement, je trouve ça un peu lourd dingue. C'est un peu trop viril. C'est pas ça, c'est trop viril pour toi. Ça joue avec tes cheveux longs. Mace qui est plus intéressé par les vêtements que par les combats. Quand c'est Moyen-Âge, Mace il aime bien. Ouais, c'est pas moi qui ai acheté le Moyen-Âge. Si ? Non, c'était toi. Ah non, c'est toi qui as acheté le Moyen-Âge. Ah, je sais plus. Surtout quand il est sur une planète de sable. Le sable. Ouh, regarde le Noctis. J'ai pris des niveaux. Oui, j'ai pris des niveaux. Oh, c'est malaise. Oh, la mise à jour, tout le monde. Regardez son Gigi. Oh, oui, c'est ça qui pointe. Il pointe même pas la bestiole, il pointe. Range ton zizi, mais. C'est ça que je vais manger. C'est Yue qui a acheté le Moyen-Âge, c'est moi. Oui, c'est bien ce qui me semblait. C'est vrai qu'il n'y a pas de parité, et c'est pas cool. Ils vont devoir effacer leur message et s'excuser. Pas assez de filles dans FF15. Oui, c'est vrai que c'est sujet à polémique. Le jour où il prend des niveaux, la nuit il prend des autres choses. Ah, voilà. Bon, du coup, on peut quitter là. Tu vois que le mec à gauche est celui qui réussit à s'en sortir pour pas trop se faire. Comment tu sais ça? Ça se voit. À sa position. Tu vois, c'est le mec qui réussit à éviter. Ah, oh putain, non. Là je suis plus très sûr quand tu vois la position là. Alors les copines. Non, non, mais justement, c'est celui qui a les gants. C'est celui qui fiste. Attends, on va regarder un peu ce qu'ils font. Non, franchement, ils abusent un petit peu sur les looks quand même. Hein. Ouais, bon, déjà, les looks sont abusés, mais... Non, mais c'est très fait pour faire plaisir aux jeunes filles. Alors, jeunes filles, il y a de quoi de faire de putain de personnages féminins, je suis pas d'accord avec leur parti pris, mais bien sûr. Moi non plus, j'accroche pas trop. De quoi? Bah, ce parti pris-là. Ah. Tu mets Noctis, tu mets une fille dans les vêtements de Noctis, c'est la classe. Bah en fait, y'a pas besoin de changer de design, c'est ça qui est pratique. Tu mets juste des cheveux un peu plus longs. Alors, ouais, enfin, sur une vingtaine de FF, il peut bien faire un avec des mecs. Oui, oh, mais alors lui! Bien sûr, après, c'est pas... Il faut aussi représenter la communauté gay, mon dieu. Je suis d'accord, je veux dire, ils ont bien... C'est dire, un petit peu... FF13, c'était bien Lightning qui était la... Oui. Le personnage principal, donc c'est pas, je les accuse pas de sexistes. Ils en ont fait un que avec des meufs dans la... Oui, je sais. Non, mais je les accuse pas de sexistes. Je sais qu'ils ont fait que avec des meufs, je sais qu'ils mettent des femmes en avant. Mais je trouve que quand ils font soit juste avec des meufs, soit juste avec des mecs, je trouve ça un peu... Faire plaisir aux jeunes filles. Bonjour, non, j'aime pas les persos de FF. Ah, elles préfèrent les bons gros bûcherons. Bref... Allez, allons-y. C'est l'heure de la pause. Pause. Hop, vas-y, je te laisse la place, Sas. Et on se retrouve avec Lastofus. Lastofus, Sus. Notre rendez-vous. C'était pas du tout attendu, ça. Ah, bah tu sais très bien que le jeu s'appelle comme ça, maintenant. Allez, à tout de suite. Où est-ce que je l'ai vu, d'ailleurs? Je sais pas. Idoumi les panas, Idoumi les panas. Qui a le temps aujourd'hui de faire des confitures? Le problème du temps, c'est un non-problème. Non-problème. Le temps, pourquoi faire. Si vous faites pas de confiture, vous faites quoi la place. Je vois pas ce qu'on peut faire. Le problème du temps. Le problème du temps, c'est que. Je vais vous donner un exemple. C'est que un gamin de 15 ans, 15 ans, c'est pas un homme. Il est pas fait. Il a encore à sculpter. Il a à apprendre. Un bœuf de 2 ans, c'est pas la viande à manger. C'est de la viande à attendre. Qu'elle ait 4 ans. On a nié. On nie la notion de temps. Moi, je pense très sincèrement que c'est con, que c'est con, que c'est complètement con. Le problème du temps, c'est un non-problème. C'est un non-problème. Le temps, pourquoi faire un bœuf, un bœuf. Le temps, le temps, pourquoi faire. Quand vous interrogez un mot, il vous répond, ça vient d'une tablette. C'est con, c'est consternant, moi, quand j'entends ça. Allez dans des écoles, au lieu de faire de la télé, comme ça en chambre, comme
ça, comme ça, en tes studios. Le problème du temps. Allez voyager, baladez-vous. La situation des mots, mais consternante. Moi, quand j'entends un mot qui me dit, ça vient d'une tablette au chocolat, j'ai envie de chialer. Ça me désespère de penser. Et c'est la faute à qui, ça? À ta mère, ta mère. Avant, ta mère. Moi, quand j'étais à l'école, vous, évidemment, vieux con, à l'école. Oui, mais on apprenait l'histoire, la géographie, on apprenait les sciences, tout ça à partir d'une fraise, d'une fraise. On apprenait tout ça à partir d'une fraise. J'ai fait une émission par la télévision qui s'appelait Comment c'est fait. J'en ai 4-5 mondes qui n'avaient jamais vu la mer. Jamais vu la mer. Comprenez, le problème, c'est qu'il y a des mondes qui n'ont jamais vu la mer. Des privilégiés. Pensons à des gens qui n'ont rien, qui ne savent pas ce que c'est, qui ne voyagent pas, qui sortent d'une école où ils se font chier, d'une école, qui sortent et ils s'emmerdent, et ils vont dans une colonie de vacances avec ces mêmes cons qui leur apprennent rien. C'est ça qui est terrible, alors que moi je les emmenais balader. Le problème du temps, de ne pas savoir le miracle que c'est, de voir un sommier. Guérande, qui est en train comme ça, il est en train de tirer son énorme râteau. Et tout à coup, il y a un tas de sel, et ça sort de la mer, et ça sort de la mer. Les mômes qui regardent ça, quand vous avez un gros plan sur ces gamins, émerveillés, c'est un miracle pour eux. Et ils vont, ils prennent, ils mettent dans leur bouche, c'est salé, ça vient de la mer. Et là, vous leur expliquez le vent, le soleil, la chaleur, c'est bouleversant. On va me dire, oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la chasse-pipi, ça, c'est la mer. Alors que ça, c'est bon, voilà la différence. Yeah.
Nous revoilà. On espère que cette petite vidéo, ces petites vidéos vous auront plu. Oui. Ah oui. Et oui, Dana qui débarque, Jean-Pierre Coff nous a quittés. Je pensais qu'elle plaisantait en plus quand j'ai dit ça. Bah non, c'est ça qui est fantastique. Alors nous reprenons The Last of Us, on ne sait plus du tout après, où on était. Après c'est vrai, je suis d'accord qu'ils n'ont pas fait non plus un gros truc médiatique avec ça. Non, moi j'aurais bien voulu un hommage à Jean-Pierre Foucault avec Jean-Pierre Coff. Alors attends, que je me souvienne, Oui, R1, c'est le mode écoute. Putain. Ah, c'est le moment, la chatoune. Attends, on va la prendre en direct. La grosse dégueulasse. Oui, allô. Bah oui, là, t'es en direct, hein. T'es en direct sur Internet. C'est Brocoli qui est avec nous en direct. Tu passes à la télé. Tu passes à la télé, ah oui. Alors, c'est pour Jean-Pierre Foucault, c'est qui va gagner des millions. Et on avait parlé de Jean-Pierre Foucault, elle a cru que c'était question pour un... Là, c'était la question à un ami, l'appel à un ami. Merde, j'ai joué. Alors, est-ce que Maïs va mourir? Est-ce que tu penses que Maïs va mourir ou pas? Réponse A, oui, peut-être. Réponse B, non, pas du tout. Réponse C, il y a une grosse probabilité que... Réponse D, de toute façon, Osef... Osef, parce que... Moi, je m'en fous, je suis un brocoli. Osef Staline. La D, à la réponse, à la question, est-ce que Maïs va mourir? Brocoli répond, Osef, je suis un brocoli et je vous emmerde. Oh, coucou brocoli, nous dit Mike. Dana qui dit, coucou maman, je passe à la télé. Non, mais je suis jamais la télé, c'est quoi ce genre de choses? Ah. Mais qu'est-ce que ça fait d'être en direct sur Pad Live comme ça alors que normalement tu n'aurais pas dû être là? C'est-à-dire qu'il faut appeler entre, tu vois, durant la pause normalement. C'est ce rituel, on appelle durant la pause et là... Appeler. Mademoiselle, je sais pas pourquoi elle a pas appelé, peu importe, c'est pas la question. Mais en tout cas, là elle appelle en pleine émission, on vient de reprendre... Le malaise commence à s'installer. Le malaise. Putain, mais le mec il me bourrine. Ah, elle est en train de voir qu'elle passe à l'aide. José Finange, gardien. Ah, bon, bah tu raccroches quand même. Non, c'est toi qui raccroches. Non, c'est toi qui raccroches. Attends, je vais me laisser mourir parce que oh, j'ai fait... Oh, laisse-toi mourir, mais... Ma... Attends, peut-être recharger de tes... Non, je sais pas. Bon, allez. Voilà. Yeah. Ah, il faut que tu meurs dans d'autres souffrances. Tu le mérites. Parce que là, j'ai très mal joué. Faut appeler Durandal. José Finance, garde. Durandal. A tout de suite. Bah attends, lui, il met un checkpoint là. Ah non merde, c'est juste un live de 15 personnes. Bon bah désolé maman, tu dois avoir envie de moi. C'est quoi ce checkpoint de merde? Ah non mais elle raccroche, elle me dit même pas un petit je t'aime et tout. Non mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Wow, il est où le respect? C'est qui ça? Mais c'est Brocoli. Elle me dit même pas un petit je t'aime, tu te rends compte? Vous vous rendez compte? C'est une honte! C'est une honte! Le mec a headshot avec un fusil, le mec, oh ça va, au calme. Au KLM. Au KLM. Je m'en sors plutôt bien. Oh, ah, c'était mignon comme bruit. Oh, regarde, il a voulu faire une feinte. Le mec, c'est une balle dans la jambe, ça fait plus mal qu'une balle dans la tête, ah quoi. Ah. Mais c'est quoi ce checkpoint de merde? T'as raison, raccroche. Allez, vas-y. C'est qui ça? C'est Brocoli, un point pour Metz. Brise-lui le cœur. Oh, il est avec ta barbe, Louis. Mais là, c'est pas possible, le checkpoint était trop merdique. Oh, comme c'est vilain, mec. Il m'en met un passage où je suis dans la merde. Veux-tu ma souffrance et ma douleur alors que je suis si bien meilleur vis-à-vis de vous? Oh, la sauvegarde de départ. Oh, calme-toi. Putain, il le fait exprès. Ouh, des doigts, des gros doigts devant tes yeux de fragile. Oh, tes yeux de fragile, tu crois que t'es viril avec ta barbe et il m'a vraiment effacé mon ancienne sauvegarde. C'est-à-dire que là, si je suis bloqué là, c'est fini. Quoi. Oh, et pars au bout du monde avec moi, on mangera de repos. Mais va te faire foutre, Mike. Ah, regarde Angel qui dit pas touche à mon Ryu et oh, c'est trop chou. Parce que, non, c'est toi qui voulais toucher, pas moi, hein, Angel. Le respect n'est pas mort, il est dans l'éternel. Ah, t'es trop commencé, Ranko. Avec la barbe de Yui. Ah, voilà. Ah. Et même pas essayer de se rattraper, Angel. Non, c'est non. Voilà. Voilà, t'es en direct, donc je dis pas des trucs un peu bizarres. Hein.
Regardez-le avec sa barbe. Ça fait au moins 5 minutes que je t'écoute plus. Alors, j'ai mis ça. J'étais même là devant avec les doigts là devant. Le mec, c'est j'en ai rien à branler. Yue, tu peux te calmer, Final Fantasy XV, c'était l'heure d'avant. Oh, tu es prêt pour bah, le toucher. Il a joué pendant une heure, maintenant c'est bon. Tu es prêt pour le toucher rectal vampirique. Avec mon fusil. Yue-Q. Le respect. Bah tant pis, Mace, tu veux venir. Mike. Oh, t'as visé comme une merde. Le pire, c'est que le mec, il remarque rien. Il voit une flèche. Mais en fait, je voulais bander. Ah, mais c'est ton pote. Non, c'est pas ton pote du tout. Putain, mais... Comment il se retourne aussi non, alors, il se retourne. Tu vois, il prend ses pieds et il tourne. Les mecs, à chaque fois que je suis derrière son dos, il se retourne. Qui connaît l'éternéant ? Pas moi, je ne connais pas l'éternéant. Je connais le Nether de Minecraft, mais pas l'éternéant. Non, Rivers Café. Qui veut aller au Rivers Café ? On va aller se boire un peu. Oh, rentre dans le Rivers Café, c'est l'air charmant comme tout. Si ça... Moi, j'aimerais bien qu'on m'offre un bar comme ça, hein. Moi j'aimerais bien gérer un petit bar comme ça, un petit bar mignon. Ouais, mais personne viendrait. Oh, tu paries combien que les gens viendraient? On anime, on ferait un qui ça, le vendredi soir, ce serait le joueur. Le vendredi. Le vendredi soir, ce serait pas de life. En direct dans le bar. En direct le sur, bar. Sur les internets. Sur les internets du bar. Non, mais sur les internets dans un bar. L'Aubert. L'Aubert. Tu veux que je dise quoi? Oups. Oh, c'est vilain, ça, c'est méchant, Angel. Gérer le Homra, moi je viens. Ah, si tu gères le. Ah, ben oui, moi je vais gérer le bar des Homra, bien sûr. Moi je viens. Je ne connais pas l'éternéant. Non, mais c'est une blague. De quoi? Et les mecs, ils viennent. Oh putain, c'était violent. Je pensais pas qu'il prendra aussi cher quand même. Je pense qu'ils ont un petit peu exagéré sur l'effet. Lis le livre, l'éternant. Par contre, attends, je tire une flèche sur le mec, tout le monde l'a entendu quoi. J'ai lu en 6ème, tu peux le lire à 24 ans. La fucking logique. Je sais pas lire. Bon, alors j'aimerais bien tirer avec mon. Putain, mais je peux pas tirer quoi! Mais c'est pas possible! T'imagines, ouais, avec de l'alcool dans son LSD. Mais attends, je vais y aller YOLO parce que là, l'infiltration ça marche pas. C'est du pour coup. Chaque. Tu vas y aller YOLO. T'as pas une grenade ou un truc comme ça? Ouais. Oh, ça c'était violent. Ça lui fera les pieds. Il fera la tête surtout. Ah! Je ne prends pas de LSD, c'est ça le pire, tu te rends compte? Imagine avec. Non, il faut lire Jeannot la sorcière. Oh bah le mec, il se fait pas du tout. Il me tire dessus, oh putain. C'est la carte. Calme-toi. Le viol. Le viol. Pas que j'ai plus de vie. Oh. Kappa ou pas? Bonjour, je m'obote. Moubot, salut! Ah. Bon alors, c'est bien, mais faire du stationner, tu vois, dans Ah, écoute, j'ai pas envie de crever. Dans The Last of Us, oui, mais tu peux pas récupérer de vie, de toute façon, ça changerait. Et donc? Tu récupères pas de vie progrès. Ah, mais j'avais pas vu qu'il en restait un petit coquin! Moubot, non, je ne m'abonnerai pas à cette chaîne! Mais tu es tout seul là, il y a vraiment personne pour t'aider. Bah elle est avec un avec le fusil en haut, mais bon, pour ce qu'elle. Ah oui, on en était à cette étape là où il le met le fusil dans les mains. Oui. Ah oui, c'est ça. Ou ce moment de grande émotion. Oui, mais Oli l'éternel est 30 fois plus long que Jadot, mais Jadot est mieux, faut lire les deux. Il faut lire les flammes des champs de serre. Oui aussi. Et bien ça. Wingardium Leviosa. C'est pas les vieux sœurs. C'est les vieux sœurs. Oh, ils ont fait un barbecue avec ton corps. Mais t'as raison, j'aurais dû lancer un cocktail Molotov direct. Mais oui. Ah, mais tu veux ce que t'en as? Bien sûr. Mais pourquoi tu le fais pas? Mais j'ai pas pensé. T'es mais je te l'ai dit en plus. Oui, mais c'est trop tard quand tu me l'as dit. Ah, mais non, c'était pas trop tard. On regardera le replay. Ah, bah voilà. Moins 3. Non, moins 2. Plus, va te cacher. Non, putain, mais tu vises comme une merde. C'est bon, il a perdu la tête. Les champs de Sarre. Faut lire la bibliographie d'Adrien Belmont et de Barjavel. Barjavel. Headshot. Il t'a drôlé. Le sniper de merde. Oh non, mais ils abusent. Regarde.
Merci de ta mort, Mace. Oh, mais ça sert à rien le fusil à pompe, c'est la peine d'avoir un homme aussi puissante. Bah, tu me diras, il a le gilet pare-balles. Ah bah attends, le mec, j'ai dit qu'il y a une flèche tout à l'heure, mais alors le pompe, ça passe pas. Oh là, oh là, oh là, oh là. Le pire, c'est que je me prends. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'était. C'est là le combustible du barbecue que j'ai fait pendant l'un an de pas de live, c'était le corps de Mace. Ouh. Le petit gun. La barre de fer, la barre à tout faire, putain. Dans les poignets, dans les poignets. Non, attends, c'est ouais. Sérieux. Ah, il y a de l'abus. Regardez les cachets, matraque-le! J'adore, mais j'adore la violence que. Enfin. J'adore la violence! Non, mais c'est assez. C'est brutal, c'est dit, voilà, voilà. Je ne sais plus comment me justifier. J'adore la violence. J'adore la violence. Je ne sais pas pourquoi je comment avoir un vieux montage pourri là-dessus. Oh, 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 j'ai cru qu'il avait dit merci de ta mère, Mace. J'ai eu peur. Ah, mais Ellie, tu sers un peu à rien. Mais putain! Ah, j'en fais un barbecue avec ton corps. Mais il va pas crever en plus. Et voilà. Oh, regarde, tu es mort comme une. Ah, non, là, ce passage, si t'as pas de vie, là, il est chaud. Oui, hein. Aussi. Tiens. Bah oui, tiens, et le checkpoint, je me prends un coup dans la gueule direct. Mais c'est quoi ce truc? Vite, va dans le bar, va te protéger, je pense. Va dans la cuisine ou quelque chose. Là, il y a trop, tu peux trop te faire attaquer ici. Ah oui, mais bon. C'est une mais déjà... vise dans la tête quand même. Vite, vite, le dessert. Non, je peux toujours pas fabriquer, putain. Le malaise, regarde à gauche aussi parce qu'ils peuvent arriver à gauche là, genre je sais pas, voilà, tu vois comme par hasard, c'est quand je le dis. Pourtant t'as mis à côté hein. Non. C'était bien la peine d'être armé si le mec. Alors, Ellie, tu sers un peu à rien. Aya, c'est Ellie, baisse waifu. Waifouf. Je suis dans une merde noire. C'est dans la merde noire. Il faut les attendre, là tu les attends et tu les niques. Ellie, c'est un grand prêtre. Oh, mais je ne comprends pas ce que dit Diana. Il est arrivé en mode trop tranquille, mais tu m'étonnes. Regarde-le. Oh, bah voilà, tu l'as pas respecté, lui c'est bien, 3 balles dans le bide, rien à foutre. Ellie, c'est un petit ourson. Il était petit ourson. Alors Claude, la balle dans l'épaule tout à l'heure. La one shot. C'est la mythe. Oh putain. Et lui, ouais. Ah non, 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 lui, pareil. Moi, je m'en vais. Ellie, c'est Moon. Oh putain, ils se sont tués. Ah non, ça se trouve, c'est Ellie. Ah, Ellie! Ellie! Attends, je suis un peu con. Ellie! Ellie! Ah, donc c'est fini. Ah, j'ai fini. Et regarde! Et là, regarde, elle se prend une balle en pleine tête et elle meurt. Oh, le, enfin. C'était bien comme jeu. J'ai beaucoup aimé. Surtout la fois quand elle est morte. Ellie est là! Toujours! Ellie, c'est l'acier! Et de quoi Ellie, c'est l'acier? Non, mais c'est bien, c'est que Brocoli trouve quand même le moyen de mettre entre parenthèses auquel on n'aurait pas compris. Ouais, ouais. Oh, Ellie Man Belmont! Qu'est-ce que tu dirais d'un truc? Ça y est. Ah, décidément, c'est la soirée! Hein. C'est juste pour les urgences. Ah. Bon, par contre, les deux cons, je vais dormir. Les deux cons, non mais carrément. Je vais dormir parce que j'ai du boulot demain. Oui, je bosse en jour férié, donc bonne nuit, bande de jages. Bah écoute, bon courage pour ton travail de demain. Et bonne nuit, Dana. Merci d'être passé. D'être resté un peu plus longtemps que d'habitude, oui, quand même. Oh là là. Ça fait plaisir. Allez, bonne nuit, Dana, et merci. Salut. Mais vous avez pas de culture ?
Empereur d'Éthiopie. Élie Sélassié. L'empereur d'Éthiopie. Je crois que c'est là. Éthiopie. Éthiopie Kachou. Éthiopie Stolé. Éthiopie Stache. C'est toi. Éthiopie Ramid. À toi de jouer, Élie. Et là, elle meurt. Arrêtez de mettre un point d'exclamation, putain. Non, mais c'est toi qui as l'esprit tordu. Hein. Ah! Oh, notice! Quoi, notice? Non, c'est marqué notice, je lis notice. Ah, je pensais que tu parlais de notice. Noctis! Noctis d'utilisation. Calme-toi. Non. Tiens, je vais faire comme Danaël. Bonne nuit, les affreux. Bah écoute, bonne Mike, nuit. Bonne nuit. Repose-toi bien. Et puis, profitez bien de votre jour férié. Ouais, ça va pas tarder à s'arrêter. C'est plutôt rare. Ça s'arrête demain à minuit. Donc, profitez-en. Donc, bonne nuit à Mike. Bonne nuit à toi, Mike, et merci d'être passé. On dirait le tasse de tasse. Ah, mais c'est ça que j'essaie de faire. Au moins, j'ai reconnu. Élie Sélassié. Ah, je suppose que c'est l'empereur d'Éthiopie. Moi, c'est pas férié pour moi. Ah bon? Oui. C'est les vacances. Ah, prends la voix, dit. Ça me fait plaisir. Oh, oh. Bonjour. Bonjour les amis. Et bienvenue sur Pad Life. Oh, bonjour. Et là, tu fais la voix de Mickey quand je ne suis plus à Mickey, quoi. Ça me fait plaisir. Ah, c'est... Oh, ils sont morts. Ce que je disais à Metz, c'est que j'aimerais beaucoup apprendre à faire la voix de Jean-Pierre Coff et la voix de Miaouss. Et la voix de Jean-Pierre Coff, c'est un non-problème. Avec son énorme râteau. Avec son gros râteau, comme hélicoptère. Moi, c'est la voix de Miaouss que j'aimerais beaucoup faire. Alors, moi, mais si, la voix de Miaouss. Incapable. Non mais, je t'ai pas dit que t'étais capable, mais savoir la faire, ça serait quand même vachement cool. D'ailleurs, il faut écouter du Carpenter Brut. Pour faire des canulars téléphoniques. Allô, c'est bien où ça? Quoi? Oh mais, je pensais que tu n'existais que dans le dessin animé. Prends la voix de Mickey et dis ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Non mais il l'a déjà fait. Ah ben c'est... Non mais c'est Angel qui a demandé. Oui mais t'es pas obligé de faire tout ce qu'elle demande, tu sais. Si, ça me fait plaisir. Par contre, tu m'as un peu lâché comme une mère tout à l'heure au téléphone. Et ça me fait pas plaisir. Ah, calme-toi. Bon, au moins ils ont tué ce couple. J'étais sûr qu'il allait rester la mère Joël des chasseurs. Des chasseurs, ça me fait plaisir. Oh merde. Oh, regarde, il est là, il t'a fait coucou, c'est moi. Oh, le one shot. Et là, c'est punk de... Là, c'est le moment. Il est bien armé quand même, le coquin, là, il t'a tué d'un coup. Ouais, mais en même temps, j'ai plus de vie. Mais ça, dis-moi pourquoi tu as donné à manger après minuit. Je suis un mogwai. Ouf. Oh. Ah merde, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais celle qui le maîtrisait, je crois. On avait besoin d'aide. Alors, mais s'applique lui des calmez-vous. Calmez-vous. Tu prends un petit peu d'eau. Regarde, c'est mon planning. Ferme ta gueule. Au bout d'un moment, j'ai plus que ça gagner. Calme-toi. C'est toi, c'est à toi qu'il faut que j'applique des calmez-vous. Tu n'arrives plus à supporter la situation. Par contre, recentre-toi. Oh, il a bougé ses petites fesses. Il a fait, oh, t'as vu. Tu as voulu me séduire. En bougeant ton boule de la sorte. Mon Dieu. T'as voulu faire... Ah en fait, c'est fou quand tu joues plus, t'es un tenable. Il y a marqué quoi là-haut, là? J'ai envie de voir comment ça s'appelle. Regarde, en haut, Broadway, surplus, Schmitt. Eh ben, c'est un placement de produit, ça. C'est pour les cuisines Schmitt. Ah, merde, ils finiront par sortir. Je crois qu'ils ont toujours, j'ai pas eu de leur dire.
Oh, wow. Mace égale Gladiolus. Ah non, vu la façon dont il a bougé ses fesses, on aura plutôt dit que c'était le petit blond qui sortait et qui dansait. Oh, la violence! Je sais même pas comment je suis mort. Il y avait un piège. A bougé son cul. Bah non, justement, c'est pas Mace Gladiolus. Putain, il y avait un gros piège. Oh putain, il y a des pièges. Oh, ah oui, on voit les petits lasers. Ouais. Au début, j'ai cherché des images avec un japonais torse nu pour le montage de la lampe torche, sauf qu'ils n'avaient pas le torse de nu, en fait. Et du coup, tu fais comment? Mon dieu. Bah, tu censures. Tu sais rogner une image, quand même. Bah si, t'as les mecs de Yata. Il y a que le Zizi qui est couvert. Avec une feuille. C'est des copains de Zizi. Eh oui, c'est les copains de Zizi. Quel beau prénom. Neymar qui se dit, mais pour quoi? Non, c'est pas ce qu'il a dit. Ah oui, mais c'est ce que ça voulait dire. Docteur Manhattan. Dans la tête. Alouette. Oh, c'est assez violent quand même. J'aime beaucoup les arcs généralement. Il y avait quoi? T'es bien curieuse, Angel. Après, c'est Holyman que tu traites de pervers. En fait, il est complètement cheaté l'arc, j'avais oublié, mais... Mais c'est souvent comme ça. Tu me diras déjà, dans Tomb Raider, il est complètement cheaté. Oui, mais bon, aussi. Voilà. Voilà. C'est quoi que t'as lancé? Ah, d'accord. Alors, bon, la discrétion, on passe pas, mais... Ça mérite d'être efficace. Allez, vas-y. Avance. Non, vous avez jamais regardé Watchmen, les gars? Eh bien, non. Si, moi, j'ai revu Watchmen. Moi, je n'ai jamais regardé. C'est quoi, c'est une série? Non, putain. C'est quoi, alors? C'est un comics qui est adapté en film. Ah, mais non, je regarde pas. De Zack Snyder. Non, mais le mec, il est à sa culture, David. Ah, le mec... Il complexe tellement qu'il est assez culture dès qu'il peut. Ouais, ou alors c'est toi qui complexe tellement, mais tu critiques ceux qui ont de la culture, ça dépend comment on voit les choses. Hein. Allez, descends. Allez. Et je monte et je descends. C'est quoi ça? Ça a rien du tout. Putain, les pièges de merde. Ah, le décès. C'est triste. Est-ce que tu vas reprendre d'où? Oh! Et bien sûr, j'ai même pas le temps de sortir l'arc cette fois pour le faire discrètement. Non, mais attends, mais là c'est complètement foiré là. Putain, mais quel jeu de merde! Ah, c'était mauvais. Faut que tu regardes Yui! J'ai à peine le temps de me planquer quoi. Les checkpoints dans ce jeu sont assez. Pourquoi je fais ça? Putain, t'es sérieux, toi? En fait... Et le mec, il dit... Tu vois, c'est étrange. Et il se pose pas une seule question, tu vois. Il se dit pas un seul instant... Je crois qu'il y a quelqu'un. Le mec, il tient. Et puis ça pourrait être un gif, quoi. Mais mec... Pile dans les couilles. Oh, la violence. Le dessert. Et vraiment, en plus, hein, regarde où est la flèche. Le pauvre. Comme ça, tu comprendras la référence avec le docteur Manhattan, d'accord. Fais-toi un kit médical, même si le kit médical, ça sert à rien. Si tu te fais exploser par une bombe. Évite de mourir, là, s'il te plaît. Fais péter la bombe. Sois vigilant. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de voir si vous pouvez pas les piquer. Ça me fait penser à Yui quand il joue Link sur Smash Bros. Avant j'étais une luciole, puis j'ai pris une flèche dans le genou. Oh putain, c'est complètement abusé. La violence de l'arc. Quand tu dis que les mecs, tu vas aux pompes, les mecs, oh j'ai mal au bide. Et la flèche, direct. Ça passe tranquille. Par contre, vous savez que... Par contre, et que c'est Dazzle qui... Quoi?
Hein ? Oh merde, on a oublié de changer le titre. Oh, et c'est à 22h30 que j'ai été faire remarquer. Et moi, je ne vous félicite pas. Et bah, c'est trop tard. Et bah, c'est un échec. Putain, mais le mec, il sent même pas le bruit de la flèche, quoi, qui passe. Si, si. Il s'est retourné, regarde. Ah, attends, du coup, je vais peut-être pouvoir les piéger. Allez, buvez ça. Attention ! Putain, non, mais c'est... Non, ça, c'est la voiture. Tu t'es cru dans GTA, mon gars. Voilà, j'ai vraiment aidé. Non, laisse-la faire. Elle peut pas mourir. Non. Voilà. Au fait, le son est un peu faible pendant qu'on y a. Putain, bah, ah, bah oui, mais... ça valait le coup. D'ailleurs, Dalzel, il pourrait être dans Pad Life. Il a des atouts physiques pour. Ah bon, peut-être. Ah bon. Est-ce qu'il a les cheveux longs aussi, Dalzel? Je sais pas du tout à quoi il ressemble, Dalziel. Bah, tu vois ton père? Bah, c'est pas lui. Ah oh. Et pourtant, j'ai cru que c'était lui depuis le début. Calme-toi, calme-toi, calme-toi! Oh, regardez-moi cette chevelure. Oh, regardez-moi ça. On dirait presque qu'il a les cheveux longs. Ça pose question. Inspecteur! Sentez-vous le glas de la défaite planer sur votre petite tête? Tais-toi. Pas du tout. C'est une question. Je manque vraiment de munitions là. De génération en génération. Oui, vraiment. On y croit dur comme fer. Car effectivement, je pose la question. Quand on voit mais sur son canapé, on questionne le sens même de l'humanité. Ah oui, ben ça. L'homme est-il à même de pouvoir Amen. Porter? Amen. Ça y est, là, je l'ai. Oh, regardez. Regardez ça. Je suis Cyclope des X-Men. Du tout. Piou. Piou. Du tout. Piou. Piou. Du tout. En fait, je suis pas Cyclope, c'est qu'un casque, putain. Ah, je me suis fait eu. Tu as cru un instant, hein, coquillou, hein, je le savais. Oh. Ouf. Oui, vraiment, inspecteur Toutou. Oui, là, alors, c'est pas où... Ah, c'était les chats qui est là. Il est parti à la retraite, je crois. Oh, alors, comme ça, c'est comme ça que ça s'est terminé dans cette zone. Oui, je crois que... Je ne crois qu'il s'agisse de la musique des X-Men. Oui, c'est la musique des X-Men. Si, c'est la musique des X-Men, oui. Ah, ah, tu t'es fait avoir. La musique de la série des années 90. Exactement. Et voilà. Je ne crois pas qu'ils sont 6. Ouh. Ouh. Allez, Joël. Le vent, le vent, le papillon. Au-dessus de mon école, le papillon. On y est presque. Au-dessus de ma maison. Non, oh, toute notre quête a été vaincue par un cadenas. Oh non, le cadenas. Le cadenas ultime. Il faut que Sora de Kingdom Hearts arrive pour ouvrir la clé. Non, ouvrir le cadenas. Le cadenas, pardon. Parce qu'il est la clé. Prenons la ruelle. Oui. Prenons la ruelle. On change interdit parce qu'on est des thugs. Quoi? Oh. Calme-toi. On sens interdit. On sens interdit, oui. Ah, et là, il y a le camion. Le camion Ben. Le camion Ben Kenobi. Je l'attendais, celui-là. Ouvrir une clé. C'est un conseil. Imagine qu'il faille ouvrir une clé. Non, j'imagine pas. Il y a que toi qui imagines ça. Ah, mais si, Chachot, tu pourrais ouvrir une clé. Concept. Concept profond du sens de l'humanité. Tu vas voir, c'est extraordinaire. Oui, c'est ça. Ah, je t'ai sauvé de ce claqueur la semaine dernière. Je vais y réfléchir. J'aurais dû te laisser crever ce jour-là. Oh, c'est bon, je t'en ferai si tu arrêtes de remettre ça sur le tapis.
J'espère que c'est aussi bon ce que tu dis. C'est du bacon, bien sûr que c'est bon. Oh putain, le one shot. Mais tu as touché la moelle épinière. Ouais. Roxa, c'est supérieur à Sora. Non. Ah oui, putain, quel endroit je fais pour passer déjà? Ni en termes de charisme, ni en termes de technique. Le pauvre. J'aime beaucoup Roxas aussi. Franchir d'un bond sans le toucher un escalier. Ah oui, c'est un peu dangereux quand même. La concentration. Ne nous en pas repérer. Oh putain, le tank! Oh! Il est 22h40. 22h07? Non! 22h40! 22h07? Non! 22h40! Calme-toi! Oh, calmez-vous! Il veut qu'il nous a repéré alors qu'on n'a pas fait de bruit. Oui, mais il a entendu, il a fait: oh, j'ai senti ton aura. Ou j'ai senti ton odeur. Ah, il est pas mort! Ouais. Oh là, allez, oh là, allez, là, allez, là, il te maîtrise. Ah bon? Ah oui. Calmez-vous! Franchir d'un bond un saut! Bah, monte ta tête! Calme-toi! Calme-toi! Montre ta tête! Tu sais, ça fait très. Les trucs à la fête foraine là où il faut tirer. Sur le. Ting, ting, ting. Oh! Oula, où tu as bugué, mon Bien ami. Bien sûr, et puis voilà, et puis il se prend pas les coups aussi, Luce. Oh, la violence! J'aime ça. C'est un surhomme! Refoun quick! Oh putain! Oh, putain, mais sérieux, tire! Hein. Un jour de tourelle militaire! Monte sur le dos de l'hydre! Soigne-toi, soignons. Mais j'ai plus. Soignons-nous. Ah si. Oh voilà. J'ai On a l'impression plus. Que tu caresses le cul là. Ça. On s'est fait la même réflexion. Et ça fait. Il y a peur. La photocopie, j'ai. Photocopie-toi les fesses. C'est vrai que c'est le meilleur moment. Allez, vas-y. Attends, je vais boire un turc. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, je regarde au niveau des frame rate. Syndrome de la tourelle militaire. Enculé! Mais putain. Et lui qui prend panique, putain, mais tirez pas dessus les potes, c'est qu'il voit. Ah mais il le tire vraiment dessus les bâtards en plus. Cet échec. Voilà, voilà, voilà. C'est une petite assommade, un petit. Une traditionnelle famille, des coups de fer. Ouh! Ouh là 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 là! Hashtag le danger! Soignons, j'ai calé votre placement de produit. Soignons nature. Il faut que t'ailles où? Vers là-bas. Taille! Je fais attention à pas me faire tirer dessus, quoi. Cours pour ta vie! Allez, 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 courage! Jage! Et ben voilà! Tu as survécu! Bravo! Oh, il y a bien Georges Chibal, il est venu nous rejoindre! Oh putain, la chatte! À chaque fois, il me fout des coups, quoi! Et voilà! Et voilà! C'est un technique? C'est la tac-tac-tac-tac-tac du gendarme. C'est vrai que c'est un peu la tac-tac-tactique du gendarme actuellement à nuit debout. Ah, ça fait rire. Mais genre là, les balles passaient pas à travers sur l'étal en carton. Mais bien sûr que non. Ah, ben non. Carrément. Allez.
C'est tellement l'instant politique. L'instant politique. Soyons sérieux. C'est un peu du... Comment peut-on appeler ça? Allez, allez. Mine de rien, on progresse. Oui, bravo. Tu veux un gâteau? Il veut un gâteau? Il veut un gâteau, le garçon? Il veut un gâteau, le petit garçon? Oh oui, oh oui, oh oui. Oh, il est mignon, il est mignon. Oh, calmez-vous. Calmez-vous. Oh. Calme-toi, putain, j'en ai marre. J'en ai marre. Ah, des balles. Oh, putain. Espèce de cinglé. Oh, ouais, c'est précaire hein, comme pont. Alors non. Parce que c'est de ce côté qu'il faut aller. Oh, non. Mais non. Oh là là, non, dis pas qu'on a encore un bug de merde. Ah, oh, voilà, il suffisait de s'avancer. Bah, qu'est-ce que je fais? Tu n'avançais pas. Tu n'avançais pas. Oh, y a des belles robes. Oh, il y a un beau lit. Ah, mais dis donc, les draps sont plus, pas trop sales par rapport à un truc un peu post-apo. À chaque fois que j'ai une fenêtre comme ça, ça me fait penser à une scène de Hitman Absolution qui m'a fait tordre de rire. Ou pareil, Hitman, il est comme ça, une fenêtre en train de se balader. Il passe devant une fenêtre où il y a un garde à la fenêtre qui est au téléphone. Ah, mais ça, on y a joué. Tu l'as fait en live. Avec le mec qui dit « Ouais, super, j'ai pas un cancer et oui, tout. Oui, » Et oui. Pour le front, on le balance. Oui, oui, oui. Ah, mais c'est on l'a fait en live. Elle me fait tellement rire. Si il est précaire, le pont, il ferait mieux d'aller la nuit debout. Putain. Il y a un bruit. C'est à cause de la loi Chrome. Mais s'oublie pas de lui donner ses médicaments. Oh putain, la chaise. Où se croirait donc Poltergeist. Oui, c'était un live. Ça, c'est dans le premier niveau. Oui, c'était dans un live, oui. Que tu étais bloqué, même un petit peu à ce moment-là. T'as recommencé plusieurs fois. Ah oui, on sait même pas. Eh oui, je te le dis. Je te le dis, dis. Tu vois, les turjots et l'arrêt se sont lancés dans le reggae. C'est bien. Mais tu sais ce que c'est. Oh, le cinématique. Oh. Oh, c'est quoi? C'est une fille. C'est mon père, putain. Ah, oh, c'est des frères. Tu paries combien? C'est parce qu'ils sont noirs. Mais non, c'est des relances scénaristiques tellement. J'ai plus de cerveau. Oui, c'était en live, je te le dis sans faille. Après, je t'ai vu. J'avais peut-être remarqué, il n'y a pas de gosse avec eux. La loi du plus fort. Tu sais. Non, ça va. J'ai rien, je suis viril, moi. Je m'appelle Henri. Lui, c'est Sam. C'est Samy. Et c'est Samy la chérie. Je m'appelle Joël. Tu crois qu'il va se mettre à rapper à un moment? Donnez-moi une 2 secondes chance. La chance que j'ai, la vie me l'a donnée. Car après tout, je suis un artiste. Ça, c'est celui qui voit pas. Il me présente, je m'appelle Henri, oui, c'est Henri et Sam. C'est le moment de sauvegarder. Tu veux t'arrêter là? Oh, il est 22h48, est-ce qu'on continue un petit peu encore? Comme tu veux. Il est 22h48, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on ne continue pas? Sauvegarde déjà, tu peux sauvegarder. Sauvegarde en cours, ne touche pas à la carte. Est-ce qu'on passe au trou pas de life? Sauvegarde terminée. C'est quoi ça déjà? À 10 bouts. Continuons-nous ou continuons-nous pas? Newt. La blague sur Newt, elle est pas passée hier. Ah non, ils ont pas du tout compris. Continuez, bah alors, on se touche. 10, 9,
8, 7, Mario. 6, Mario, Luigi, Captain Falcon, vous Pikachu. Êtes, vous êtes doux, il m'a répondu oui. Vous êtes doux? Il a fait oui. Tu sais, Henri est très doux. Henri doux. Arrête de vous caresser, là, c'est déjà... Henri doux, Sam doux. Alors? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça me fait penser à... Ah, merde, la vidéo avec la meuf, là. Ah! De combien de carreaux? Ouais. Ah, non. Il faudrait la remettre un jour pendant la pause. Quoi, la vidéo? Oui. Crazy Fat Man de Metal. C'était quoi la blague sur Newt Newt qu'ils n'ont pas compris? Parce qu'il y a un moment, il y a quelqu'un qui dit... C'est, il parle de Pipe Pingouin. Donc, je sais pas pourquoi il parle de Pipe Pingouin. Et donc, moi, je dis... Une Pipe Pingouin, c'est quoi? Quand c'est une fellation et que tu fais Newt Newt en même temps. Personne n'a rigolé sauf Ajusteur qui m'a soutenu dans ce moment de solitude. Mais moi j'ai pas ri donc. C'est dire. Oh, mais vous n'êtes pas drôle. T'es pas drôle. T'es pas drôle. Oh, c'est mignon comme tout. Écartez-vous des fenêtres, ils vont tous à la fenêtre. C'est ça. C'est génial. Ils sont partis. Il nous pourchasse du coup. Le panda derrière, il me... Il me perturbe. Oui, t'es excité. Regarde le lion. C'est Gladiolus. Oh, mais tu es si méchant avec ton frère. Papa Manos, ils ont pas une masse de culture internet, la plupart, j'ai vu. Ah, oui. Oui, oui, c'est oui. Marrant, c'est ce qu'on se disait. C'est exactement ce qu'on se disait. C'est vrai qu'on a un humour très, très internet. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui ont eu une culture internet aussi poussée, quand même. Ça reste une niche. Le global. Oui, oui. Quel beau jouet. Alors, on va s'écarter, elle va le prendre. Alors, normalement. Voilà. Oh, elle a pris le jouge! Notez la mauvaise réponse de Mickaël, cela peut vous aider à ne pas redonner des réponses. Alors, faut absolument qu'on le remette. Ouais, mais c'est pas passionnant comme vidéo. Il y a peut-être deux ou trois passages rigolos, mais c'est quand même une vidéo vachement longue. C'est pas grave. Justement, c'est le malaise. C'est génial. C'est la solitude. Comme je vis en ce moment dans cette émission. Oh, c'est faux. C'est faux. Parce que les moments où tu t'es senti le plus seul, c'est quand je disais plus rien. Ah, 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 non. Ah, ah, le mytho, le mytho. Ah, non. Faut faire une compile. Ah, faut faire une compile de cette émission-là. De ce... Enfin, pas de cette émission, mais de ce passage. J'avais quelle affaire, la compile. De ce jeu télévisé de W9, là. Moi, j'en ai marre de tout faire, ici. Oh. Regarde-le. Non mais genre il voit pas. Ah non, il voit pas, il faut que je n'ai rien. Mais il est complètement con. Et voilà. Le bisou, le bisou, le bisou. Par contre il met beaucoup de temps à mourir. Hein. Bah tu veux que je t'étrangle, on va voir combien de temps je te tue. Ah ben bah, j'en essaie en direct. C'est vachement long de tuer quelqu'un en étranglant. Hein. D'accord là il raccourcisse. Hein. Mais il est fou. Merde il est fou celui-là. Il est passé entre moi et la... C'est le Ah, c'est de NT1, oui, pardon, NT1. Quoi, t'avais dit quoi? Je sais plus, W9, je crois. C'est de la même merde. Ah, non. Ah, je les ai pas vus. Vise, va te cacher. Non, mais tu restes bien à... Ah, je vise, à découvert, là. Non, mais tu te vises, mais pas à couvert. Tu vises à couvert. Tu vises à couvert. Vise à couvert. Vise à couvert! Vise à couvert! Vise à couvert! Vise à couvert! Vise à couvert!
seul qui ait la clé. Oui, le haricot vert. C'est lui, Sora. Oh, il a changé. Ah, oui, oui. Mais pourquoi pas? Tu remarques qu'il n'y a pas de personne noire sur dans Kingdom Hearts. Et dans FF15 non plus. Hein. C'est extrêmement... Ils ont fait 4 mecs, il n'y a pas un black. C'est un peu... Surtout qu'il y avait Barrett dans FF7. Il n'y a même pas un asiatique, en fait, quand ils pensent. Non, même pas. Japonais. Squalala, me revoilà pour la finf. Oui, ce serait peut-être temps de faire la pause, de sauvegarder mon ami. Attends, la discute, et puis... C'est vrai. Oh, c'est si vrai. C'est vrai. C'est vrai. Oh, calme-toi. Tu es le seul qui m'aide, reste cool, bébé, sinon je te dirai bye bye. Là, ben, il voit une cinématique. Où t'étais? Envie de te porter pour une café, on s'amusait bien, je n'ai pas vu l'heure qu'il était. Ah ouais, c'est vrai, hein, je te connais par cœur. Non. Allez, viens! Je vais te montrer un truc, je vais te montrer sur Gigi, du coup. Mimématique. Fils de pute! Fils de pute! Mamie pleine de zik. Tu es bien confiant, pourtant je pense que tu vas mourir. Attaqué par une myrtille. Je suis en train d'imaginer Obi-Wan Kenobi sur Kamino. En fait, personne ne vous a prévenu, mais on n'entend juste pas le jeu. Ah bah oui, mais vous êtes cons aussi. J'imagine Obi-Wan Kenobi qui arrive Attends, on va faire les voix par-dessus du coup. Qui arrive sur Kamino. Ça te fait marrer? Fais la voix de Joël, connard! Mais j'ai juste l'impression qu'il y a Pagino qui mise tout sur les lusioles ici. Ouais, c'est peut-être pas par hasard. Alors tu sais qu'ils ont une rencontre de la traverse. T'as du mal. Tu sais quoi, tu vas me laisser m'occuper de mon frère et tu vas t'occuper de ta gamine! Oh ouais, je vais la pécho, j'ai déjà sodomisé dans le camion tout à l'heure. Détends-toi. Nous aussi on cherche les lusioles. Acteur studio. Je fais une crise d'épilepsie. On est là! Il y a une station radio militaire abandonnée à l'extérieur de la ville! Mais ça regarde notre compte, on essaie de retrouver la main demain! C'est dans la table, il voulait venir, c'est cette nuit que ça se passe! Tu veux faire un fixe? On devrait se reposer un peu alors! Ok, donc ils s'en foutent, ça manque de professionnalisme. Mais c'est la fin de l'émission là! Il est qui faut qu'on y aille. Mais d'accord. Oh putain, j'ai mal au dos. En vrai, je vais être rapide, alors peu importe ce qui se passe, tu me colles aux couilles. Viens, viens. Tout le monde est prêt. Oui, je suis prêt. Par contre, j'ai mal au dos. Vous ne l'avez pas, d'accord. Ah non, c'est pas lui, pardon. Ça manque de rêve. T'as de gestiller. C'est rassurant. Et relax, papy. Allez, sauvegarde. Et c'est l'heure du trou du... C'est la fin de l'émission. Oui. C'est l'heure. Ah, c'est pas le début. Du duel. Je suis en train de mourir. Et colonel. C'est vrai que tu lui as fait une voix de Rambo. Oui. Mon colonel Gabriel. C'est pas Gabriel, c'est un... Adrien, pardon. Adrien. Mon colonel. Allez, c'est l'heure du trou pas d'affaire. Mets la musique tout de suite. Attends. Mets la musique. Mets la musique. Ah, tu m'as mis, tu vas.
C'est l'heure du cancer de la gorge. Oh, c'est l'heure du la fin de l'émission. Oui, oui. Non. Allez, le trou, c'est le buon du trou. Direct, en direct live. Gabriel, c'était dans une vidéo de Mosinor. Allez, c'est parti. Bon, viens t'asseoir, viens t'asseoir. Et dans une chanson de Johnny Hallyday. Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour. Après le Noctis d'utilisation de Noctis Smith and Pie. Oh là, pas en gros comme ça. On ne dit pas les chants de Sarel, les chants de Sar. C'est qui ça? Brocoli. Oh, non. Par la maman. Troupa de life. Ah, c'est les tueurs de... Mais bon, pourquoi ils ont des tronches comme ça? Parce qu'en gros, ils ont des coiffures en mode... En mode émo. Ah non, mais ils ont des têtes de citron, ah oui. Et des coiffures émo, d'accord. C'est du déchiffrage, hein. Pudi. La photo bien dégueulasse. Vous voulez des filles? Vous en avez déjà, dont une à barbe. Oh, les enfants, la chorale souvent se défoulera dans les bois si un monstre chantait en cœur. C'est tellement ça. Noctis se couvre très bien, le bémote ne le trouvera pas. Oh non, c'était tellement con. Ah, ça live. Attends, résumé de la première moitié de Pod Life. Peggy 18. C'est juste pour se faire plaisir. Oui. Mais voyons, mon cher... Ah oui, c'est par rapport à la semaine dernière. Ça manque de respect. Qu'as-tu rebouché, le genre Pod Life? Que Yue, face de citron. Ah oui, les faces de citron. Parce qu'ils ont des faces de citron. Oui. Oui. Allez. Tu maintenant, tu vas voir. On espère que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie, même s'il n'y avait pas les filles. Nous savons très bien qu'elles vous manquent. Ah! Mais oui, Mike ne peut plus se faper comme il voudrait. Oh, en tout cas, on espère que vous avez passé une bonne soirée en notre compagnie. Rendez-vous la semaine prochaine. À quoi allons-nous jouer? Aucune idée. tu me poses des questions, toi. Bah, je suppose qu'on va au moins continuer FF15. Au moins on continue FF15 et qu'on continuera. Soirée, impressionnant. Quand une chorale pas de life, ce que j'appelle le secours, mec. Ça, je me suis senti violé. Tu peux remettre la musique, s'il te plaît? En tout cas, on espère que vous avez passé une agréable soirée. Parce que nous, pas trop. Surtout Baïs. En tout cas, n'hésitez pas à nous retrouver personnellement sur @UNCO, sur Twitter, @UNCO et Maze Productions. N'hésitez pas à retrouver Pod Life sur Facebook. On n'a pas de Twitter. Facebook, YouTube, la chaîne YouTube. Maze qui n'a toujours pas. Ravi. Oh là là, on a 6 mois de retard. Le coquinou, il n'a rien fait du tout. Mais parce que c'est un moment privilégié, pas de live, c'est pas de rediffusion. Ah, faut être là le soir. Ah là 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 là, on pourra au moins mettre les rediffs. Pour que les gens puissent suivre les scénarios. Non mais au moins. Mais on se fout pas de ma gueule ici. Non mais qu'on donne au moins le sentiment aux gens qui peuvent suivre l'histoire. Ah oui. C'est un let's play. L'illusion du choix. C'est un let's play particulier. C'est l'expérience du let's play autrement. Ce qui va manquer des morceaux avec les vidéos qu'on a. Les émissions qui ont été. Faudrait aussi aller récupérer avec Cooldown. Oui, par magie. En tout cas, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site de Cooldown aussi. Il y a des tests, il y a des articles, il y a des petits trucs bien sympas. C'est des gens qui sont motivés. N'hésitez pas à faire un tour. Ça, je suis curieux. Le YouTube de Cooldown, où il y a du contenu audiovisuel qui est créé exprès pour la chaîne YouTube, pour que je puisse faire des YouTube. Ah oui, pour
faire des YouTube poop. C'est vrai que c'est prévu. De quoi? On fait une émission pour que Iman fasse des YouTube poop. Démerde-toi, mon gars. En tout cas, j'ai pas donné le Twitter, donc c'est CooldownFR. Il y a la Web TV a aussi un Twitter, si vous voulez suivre plus spécifiquement la Web TV. Je crois que c'est Cooldown TV, il me semble. N'hésitez pas à suivre. Non, c'est tout ce que j'avais à dire finalement. Merci beaucoup pour cette intervention pertinente. En tout cas, mec, c'est un animateur professionnel. Oh, c'est tout ce que j'avais à dire. Et bien, voilà. En tout cas, n'hésitez pas. Pas de live, c'est tous les mercredis de 21h à 23h sur la Web TV de Cooldown. Et n'hésitez pas à faire attention sur le planning de la Web TV aussi. L'équipe de streamers est motivée, donc n'hésitez pas à faire un petit tour. Il y a toujours de l'activité, bon, peut-être pas tout le temps en journée, mais il y a toujours du monde quand même. Merci beaucoup, on espère que vous avez passé une bonne soirée. Et à la semaine prochaine. Etienne, c'était un petit peu de la merde. Allez, gâteau, content d'aimas, à vous et bonne soirée. Merci à vous encore, bonne soirée, bonne nuit et profitez bien de votre journée de demain pour ceux qui nous regardent. Merde. Ah, mais t'es sérieux? Tant qu'il fait pas le coup du va te faire foutre sur BFM. Comment ça? Ah bah tu l'as pas vu. Ah faut que je te le montre. Bon, mets-nous Vitas, mon ami. Oui. Allez, c'est l'heure de Vitas, ça change de la rediff. Oh putain, mais arrête avec ça. Allez. Peggy 12. Putain, pourquoi t'as coupé la musique? Ja,
mêlé ma bande de fans. Change, 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 change